Ça y est, il y a du son. Est-ce que le son marche? Ouais, le son a l'air de marcher. J'ai l'impression, Donc hein. tout va bien. Alors, je vais. Attends, faut juste que je pareil, sur la lecture. Lecture. Et Dragon Ball. Toi, t'as fait tous les magasins dégueulasses de fringues. J'ai fait tous les Don Quichotte, tous les sex shops de Tokyo. Ah, c'était la fête, hein, mon Attends, gars. pourquoi on n'a pas de son, Coco? On devrait avoir du son. Mais t'es sur Twitch, au moins, Ouais, non, sur la mais. télé, là. Non, mais en fait, on a le son qui arrive là, ici. On va l'entendre d'ici le son déjà. Ah, c'est ça. Ok, donc on a le son, donc tout va bien. Allez, on se remet au début de la vidéo. Ok. Bonjour tout le monde, bonsoir, bonjour selon ceux qui, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, peut-être en VOD. Ben, on est là, donc on est La Dose TV, La Easy Dose Morning TV, ouais, W, W en qui nous live revient de l'Evo, de l'Evo Japon. l'Evo Japon, complètement craqué. Et donc ouais, la live sur le Gamesot versus. Où j'étais, je représentais la France parce que tous les Français ils sont pas venus, ou alors ils sont venus après le tournoi en fait. Il paraît que t'as bien représenté en plus. Ouais, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Enfin voilà. Dac. Mais mets-nous en grand Mais nous là. en grand. Ah mais Mets-nous oui, en attends, grand. la Voilà. technologie nous propose d'être en grand. Mets-nous en grand. Ah Voilà. là là, il y a de la place, putain, c'est bien. Voilà. Mais là Bonsoir. par contre on est mal réglé, bon c'est pas grave. Ça stream. Salut. Alors, bon, j'espère que ça marche bien. On nous entend bien. Voilà. Ouais, surtout on a fait le setup un peu à l'arrache là, donc si le son c'est de la merde, machin, dites-nous. Voilà. Oh, il y a Q's! Ah, oh, Q's, notre plus grand fan! Mais Ah, bonjour, c'est bien. Q's! Alors, donc, Hello, Psycho! Salut, moi, Pikachu! j'ai plusieurs trucs à vous dire Qu'est-ce que c'est? avant. Ça, c'est pas à moi, ça! Ça, c'est pas à moi, ça! Il y a des trucs qui apparaissent dans mon appartement, je sais pas ce que c'est. J'ai des trucs à vous dire, donc, à ceux qui regarderont en VOD ou ceux qui vont venir à la soirée, la nuit du Versus qu'on organise le Salut, 10 Gamers! février à Game Spirit pour Ah oui, fêter. la nuit du Versus Voilà, Anniversary. anniversaire édition pour fêter les 5 ans de la dose. Donc j'ai 3 news pour vous, toutes belles, toutes fraîches pour aujourd'hui. La première, c'est un petit souvenir que je vous ramène du Japon. Voilà, c'est une magnifique statue de Jotaro Putain, Jojo! Kujaro de Jojo. Voilà, alors cette statue que j'ai gagnée dans un UFO Catcher, à la loyale, hein. Je précise, toutes les statues que j'ai T'as pas ramenées. pris la borne et t'as pas fait comme ça pour que le truc il tombe quoi. Tous les trucs que j'ai ramenés du Japon en tant que figurine, je les ai gagnés à la loyale dans les UFO Catchers. Voilà. Mais tu veux dire qu'on peut gagner à la fourbe ou à Bah ouais, la... tu peux les acheter en fait. Ah oui, tu peux les Là, tu acheter au les achètes. magasin à Voilà. côté, Non, oui. moi j'ai fait ça, j'ai fait le vrai et je les ai toutes gagnées. Donc celle-là, en fait, tous les gens qui viendront à la nuit du Versus, il y aura un tirage au sort et donc quelqu'un va repartir avec cette statue de Mais c'est quoi, c'est un Jotaro. tirage au sort en mode tombola ou pas? Non, mais Non, pas non, non, tombola, c'est non, vraiment non, non, tirage au sort voilà. cadeau quoi. Si vous vous D'accord. inscrivez, eh ben, vous pourrez potentiellement gagner cette statue. Cette super Voilà. statue Ou la donner à de quelqu'un Jojo. si vous en avez rien à foutre. Voilà. Alors, deuxième annonce. Deuxième Ouais, annonce. bah ouais. Du coup, là, ça concerne 2X. Parce Ah, on parle de 2X. que, Ah bah oui, ouais, ah oui, on a de la news. pour la nuit du Versus, du coup, à Ah, aujourd'hui, savoir. attends, il y a déjà eu une annonce Ouais, aujourd'hui. ouais. À savoir que, en fait, il C'était y aura rêve. 5 tournois pendant la nuit Versus. Donc, 3 tournois console. Avec Street Fighter V, Tekken 7, Dragon Ball Fighters et deux tournois arcade, donc Vampire Savior et Street Fighter 2X. Aujourd'hui, on vous a annoncé Rêve en tant que guest sur Vampire Savior. Ouais. Hier, c'était Super Akuma pour Tekken 7. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on va vous l'annoncer vraiment officiellement dans quelques jours. Mais aujourd'hui, en fait, on a eu la confirmation. Donc, on aura Zaggy qui va venir avec sa Zag. Chun-Li, meilleure Chun-Li d'Europe. Donc, sur. Ouais, moi je dirais même meilleur Chun-Li de l'Ouest, hein. Ouais, même Meilleur Chun-Li hors Amérique. Ouais, Japon, meilleur Chun-Li hors Japon. hein. On va dire d'Europe, tu vois, pour pas fâcher. Et ça c'est pour le cul à Zargat, ça, voilà. Donc, voilà. Bonne nouvelle. Donc, Zaggy sera présent Donc on a un pour. joueur pour Tekken, on a un joueur pour Vampire Savior, on a un Vampire. joueur pour Voilà. 2X. La suite au prochain La épisode. la suite, c'est La suite au après. prochain épisode. Ok, Et cool. voilà, donc Zaggy sera présent. Et du coup, pour vous teaser un petit peu, voilà, moi j'ai ramené ça de chez moi. Voilà, une belle boîte.
Ça, c'est aussi un des trucs. Je sais pas ce que c'est, hein. Moi, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est aussi un des trucs qu'aura gagné pendant la nuit du Versus. Donc, ah, j'ai une idée. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est le trophée dans son écrin. Salut Blackmane. Le trophée pour. Oh putain, ça tease les. Pour Street Fighter 2X. Mais en fait, celui-là, on peut le laisser direct chez moi, c'est bon, je le mets dans la vitrine direct. Non, on fait pas comme ça. Non, ça va pas marcher comme ça. Hein. Voilà, donc le trophée du gagnant de SSF2X pour la nuit du Versus. Voilà, tu vois, il est comme ça. Ah bah il sera comme ça là-bas. Ouais, on va essayer. Hein. Ouais. À savoir que voilà, c'est la réplique en plus petite. Ah, de ceux de l'Evo, non? Ouais, c'est de l'Evo. C'est à peu près les mêmes ceux de l'Evo, il me semble. Hein, ouais. Bah, l'Evo Japan, c'était ceux-là. Ils étaient comme ça, l'Evo Japan, je crois. Putain, la qualité Evo Japan quand même sur une petite Night Game Spirit. Le trophée a gagné pour 2X dans son écrin bleu. Putain, stylé. Magnifique boîte. On a fait faire les boîtes avec les trophées en même temps. Voilà, je le range. Hop là. Et dernier truc aussi, vu que encore je suis allé au Japon. Il va nous le dire, je pense qu'il va nous le dire 20 fois ce soir. Si vous voulez, on va mettre un bip quand il dit je suis allé au Japon. Moi j'ai ramené Umehara. Umehara. Eh, tu m'en as pas pris, hein. Un tome, le tome 7. Putain, moi j'ai que le 6, moi. Umehara Fighting Gamers pour monsieur François. Ah, oui, Crivelle. Ah, oui, je l'ai, oui, je l'ai. Merci beaucoup, merci à tous. Fais-moi, merci. Ah, voilà. Ça fait super plaisir. Attendez. Parce que, en plus de ça, moi je vais vous le montrer. Celui-là. J'ai pas vu encore. Là. Je sais pas ce qu'il a. Il est pas vu. Il est dédicacé par Daigo. Ah, dédicacé par Daigo. Super, encore voilà. Mieux. Encore mieux, putain. Ah là, mais c'est tellement craqué. Bon, je le lirai après, je me spoil pas parce que... Putain, ouais. Mais alors, vu qu'on est à l'échange de cadeaux... putain, mais c'est quoi ce stream de l'amour? Alors, c'est pas un cadeau, mais en fait... Ah merde. Mais en fait, c'est pas vraiment un cadeau, mais c'est plus un... C'est ton trophée. C'est ton trophée, vous voyez, c'est marqué... Ah non, je le veux pas maintenant. Tu veux pas maintenant? Non, moi, je veux parader. Bah là, tu parades, t'es devant des millions de viewers, regarde, ils sont 5. Voilà, donc c'est ton trophée de champion de Vampire Savior, du ranking Vampire Savior 2017. Voilà. La premier, classe. Voilà, c'est marqué. Premier à Vampire Savior. Et Fighters. Voilà, champion. Et Fighters, et cette année, il sera pour moi Fighters. Je suis premier au classement pour le moment à Vampire Savior. Donc attention, je suis chaud. Voilà. La Drousse de Baliou, champion voilà. Vampire Savior. Et quatrième au classement grâce à Zargat. Ouais. Enculé. C'est vrai. Bah voilà. Hein. Bon voilà, les cadeaux c'est fait. Bon, le Japon c'était bien alors. Ouais, c'était génial. Hein. Des belles rencontres, des. Super. Ah oui, des belles rencontres. La dose, d'actrices. La dose. De... Non, des joueurs. Des joueurs. Ouais, okay. Choco Blanca, on se bat. La copie d'un Human Bomb. Bon, on arrête là, ça dérape. Il a bu 3 gorgées, ça dérape déjà. Bon bah c'est cool, merci beaucoup Tristan, voilà. Ça me fait super plaisir. Putain, t'as pensé à moi, putain je suis tout émoustillé. On va pouvoir y aller. Et ben voilà, donc là l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer le GameSpot Versus auquel t'as participé. Alors t'en as fait deux. Hein. J'en ai fait deux, donc le GameSpot Versus. T'avais gagné un match au premier 27, ou pas? T'avais gagné un match déjà au premier. J'avais tué un Ryu. En fait, j'étais avec Objac, parce qu'il faut savoir que j'ai croisé Objac, donc joueur de Honda, de Nantes, non c'est ça? C'est un Nantais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un Nantais. Complètement au pif, en fait. Voilà. J'avais oublié qu'il était à Tokyo, et je suis allé au GameSpot Versus le mardi, donc le jour où je suis arrivé. Et bah en fait, je suis resté là, j'ai dosé, je suis sorti un peu pour aller bouffer, et deux heures après, je reviens, et puis bah en fait, il y avait Objac. Je dis, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bah je suis venu, j'ai pensé qu'il y aurait des Français, vu que c'était les votes Japan. Je dis, bah t'as bien. Il y avait beaucoup de Français alors Ouais, il y avait une bonne quinzaine, 15-20 Français. Non mais pas au GameSpot Versus. Non, à l'Evo. Ah oui, à l'Evo. Ah, au GameSpot, non, au GameSpot, il y a très peu de Français. Il n'y avait même pas les Jago. Est venu le 30, mais il est venu après le tournoi en fait. Ah merde, d'accord. Il est juste passé dans un petit peu. Ken Bogard, il passait, non, pas non, plus non, non, il est venu à Hay, c'est tout, mais voilà. Et du coup, ouais, en fait, Objac, il s'est fait tuer par un... Il a tué un mec. Ouais, le mardi quand t'es arrivé là. Ouais, il a tué un Fei Long et après en fait il s'est fait tuer par un Ryu et du coup je l'ai vengé. D'accord, c'est voilà. Ça. J'avais regardé rapidement la vidéo. Donc ça c'était celui de la semaine dernière. Et bah là on va vous faire celui de cette semaine du coup du 30. La suite, allez. Où on était une cinquantaine de. Alors j'ai regardé, là les gars on est parti pour 1h30 de vidéo. Ouais, je crois, ouais. De Zeus. Ouais, Jago il a fait, je sais pas, il a fait 50 streams Jago là pendant 10 jours là, c'était énorme. Eh ben, on est parti. 2X Hebdo, Ebo. T'as vu, c'est marqué Ebo. C'est pas marqué Hebdo, c'est marqué Ebo. C'est un peu pourri. Super.
Voilà, alors, j'espère que le son du jeu, vous l'entendez bien. Alors là, nous, on a le retour du son aussi. Si jamais il y a des espèces d'échos de son, On va décaler la surtout, webcam. vous nous dites, on décale la webcam, on va ajuster le setup. Surtout, dites-nous s'il y a un souci. Voilà. Mais Et nous donc là, on est parti. les. Alors oui, les Ouais, voilà, participants, parce que là, ça va être dur, sinon moi, je on lis a pas une le liste des japonais joueurs. encore. Donc là, Ouais. c'est Hideo Feilong contre Minarai. Ah oui, donc Minarai, on l'a déjà vu assez souvent, ce Old Ryu. Et voilà, bon, là, il a pris le premier round, j'ai pas trop regardé le match. Alors, Feilong, c'est un personnage que je commence à jouer un peu de plus en plus, j'aime bien, je me fais bien plaisir avec. Donc, il a des grosses possibilités de whiff punish, hein, Feilong, sur les Shoto. Alors là, il a surtout, c'est New Feilong, donc il a surtout le Chicken Wing. La super. Et là, super, effectivement. Bon, là, ça va être puni, non, c'est pas puni, dommage, il est un petit peu en retard. Ah déjà il a pas pu punir le Rtatsu complètement divin là d'Old Ryu là avec son dragon. Ah, ça pifle les tatsus comme ça pour sortir du coin, mais c'est fort, hein. Et la chope, évidemment. Ça va vite. 2x Ouais. c'est bien, ça va vite. Bah, alors, je sais plus l'autre coup, il y a Zargat qui disait, il y a donc Gwenrock de Nantes aussi, là, qui a sorti toutes les finales Ouais. Ouais, de Vampire. l'Evo, là. Vampire, Et ouais. la finale de Vampire, a priori, c'est joué en 60 secondes Ouais, c'est chrono, ça. quoi, Bah, même format, quoi. FT1, FT1, c'était format FT1, tout Geki. bram! Je te défonce, on est à l'Evo, on n'en a rien à foutre, quoi. Le side de Vampire, c'était format des vrais, tout Geki. Moi, je suis pas très fan de ce format-là, parce que j'ai passé qu'un tour, du coup. Ah oui, ah mais tu l'as fait, mais oui, mais tu l'as Ouais, fait j'ai fait, aussi, ouais. oui. Ouais, j'ai fait. Bah, voilà. C'était stylé quand même. Ouais, c'était cool. Bah, j'ai pas eu le temps de. Je t'ai dit, hein. J'étais complètement jetlagué ce jour-là. Ah J'ai eu le oui, contre. t'as eu un Voilà, contre-coup le tardif. contre-coup, je l'ai eu 6 jours après. Et j'avais un mal de crâne abominable, du coup, Ah, je me c'est suis dur, hein. barré dès que j'ai perdu. La baston, quand on est déconcentré, c'est vraiment pas facile. Alors là, du coup, le joueur qui a pris la place de Idea, c'est Haijin. Je connais pas trop là, les premiers joueurs. On va voir arriver Matsumoto, X-Esper. Ah, il y aura X-Esper après quand même. Ça va être sympa. Ça fait toujours plaisir de le voir, l'américain. Il était dans la team en plus. Ouais. Non, mais je vois, il y a eu du gros strike. Alors, si j'ai bien compris, par contre, la vidéo là, on va jusqu'au dernier joueur là. C'est, ça va Ouais. finir sur le dernier joueur de Ah chaque équipe, ouais, hein. c'est ça. C'est 25 joueurs de partout. Putain, c'est tellement stylé quand un team battle il finit comme ça sur les derniers joueurs. C'est Ouais. vraiment la craquance. Oh, pour l'instant, hein, le Feilong hein, qui fait bien le Non, taf. c'est un autre Feilong. Donc là, c'est Minaret C'est qui a un. perdu, c'est Ah pas oui! Raya. Putain, il joue tous Paria qui a Feilong repris. dans ce team. Ouais, là, il joue la couleur. Comment ça s'appelle? C'est la couleur Koemon, le violet, comme ça, si je dis pas de conneries. Ça respecte les anciens. Avec un bon dragon. Essaie pas de me décaler une chope, là, on a bien vu. Il a eu le temps de faire 3 pas en avant, le Ryu. Bien plus qu'il n'en faut. Par Raya, là, pour le punir. Voilà, tout le jeu c'est de passer au-dessus des Hadoken, d'arriver au corps à corps. Il a du mal à se rapprocher, hein. Le moindre saut derrière les balayettes, il n'est pas à la bonne distance par Aya pour attaquer. Là par contre, il a fait combo. Alors il a raté complètement ses combos, ses cancels par Aya. Heureusement pour lui, ça passe quand même après le 3 hit de Reka. Et il tue donc Aijin, donc c'est Koma, Old Honda. Oh non, là là. Je Alors vois pas beaucoup, les persos clairement. Old Honda, type Old Honda, Old Chun-Li, ça c'est des persos pour les copains de Nantes, hein, qui affectionnent ce genre de personnages un peu atypiques, mais qui peuvent se défendre. Alors surtout Ah Old ouais, qui Honda, sont. surtout Old Honda. Bon, t'as regardé déjà les dégâts, il s'est pris 3 coups, hein, là c'est. Ah mais il a tout ce qu'il faut pour pousser et mettre le pressing, hein, Old Honda de toute façon. Attention, Alors que là par contre, Feilong avec la attention avec les chops. prolongation. Oh, c'était Tiens. bizarre ce saut gros pied, je pense qu'il a raté un Reka Kaku. Oh Double là là, touche. mais Ouais, ça c'était hyper dangereux. Il le aurait pu se prendre Doskai. un gros dragon Ouais, là. gros dragon, fallait faire au bon moment. Hein. Là, double touche, c'était mort. Bah là, il joue un peu comme moi. Il a compté sur le fait que son adversaire allait rater. En fait, il a confiance dans son adversaire d'une certaine façon. Pareil, pas d'entière là-dessus. Putain, mais on dirait qu'il cherche un cross-up, c'est bizarre. Il touche vraiment en late, quoi. Je sais pas si c'est un vrai setup de jeu. Ah là, putain. Le Feilong, il a encore failli perdre là parce qu'il a fait Reka. Et le deuxième Reka, il a tardé à venir, il n'a pas vraiment cancel. Ça aurait pu être un comeback intéressant. Bah, c'est un match-up plutôt pour Feilong tant qu'il est à distance. Après, au corps à corps, je pense que Honda a tout ce qu'il faut pour éclater le Feilong. Là, c'est reparti la pression. Ouh là là, ouais, directement, un reversal dragon, là, qui passerait très bien la chope là qui a des chopes pas forcément. La petite balayette qui est cassée avec le coup de cul. Et il se remet dans le coin, c'est pas bon ça. Ah là, Honda, il a pas beaucoup de vie mais.
une bonne position. Aïe! C'est quoi ce coup de cul là qui a tapé Je crois que c'est un saut Baelka. Donc c'est saut Baelka, ça retombe très très vite. Du coup, ça fait presque des espèces de instant overhead un peu bizarre. Allez, là c'est Blanca. Blanca de Yasubi. Ou Yasube. Ouais, Yasube. Avec deux E. Bon, t'as parfait un peu ton japonais au Japon ou non, pas du tout? Non, ouais. Non, bonjour, au revoir. C'est déjà bien, ça leur fait déjà toujours très plaisir. Parfait mon anglais. Je me suis fait interviewer. Putain! Au moins 4 fois. Ah, mais attends, y'a pas une histoire que t'étais invité le dimanche ou je sais plus quoi là? Non, mais non, ça c'était les badges. Ça c'était juste le badge, d'accord. Ah, bien, ça décale le shop. Je me suis fait interviewer à l'aéroport en arrivant. Ah oui, ah mais ça arrive souvent aux étrangers, on se fait souvent interviewer par des trucs comme ça. Le, avec Mourad l'autre coup, c'est vous, allez vous, on a fait l'ouverture de Nevo avec Objack. On s'est fait interviewer les premiers direct. Le, ils ont lancé le stream, on était sur le grand écran. En mode salut. Ouais, c'est ça, ouais, en mode ouais, bonjour, c'est Cup Noodle, ils ont interviewé les mecs d'après. Ils ont tous putain, t'es e-sport en ils fait. Ont tous eu une casquette, les mecs d'après, on a rien, on a eu des nouilles. Vous avez eu quoi? Bah des boîtes de nouilles Cup. Ah ouais, putain, stylé. Ouais. Ah, vous avez à manger pour la semaine quoi. Ah bah j'en ai plein là, j'en ai 6 ou 7 à la maison là, des boîtes. Toutes gratuites. N'importe quoi. Ah mais c'est cool si t'as vu Objet, ça fait plaisir. Ah bah ouais. Non mais j'ai pas croisé que lui, hein. C'est ça qui est fou. Il y avait rappeur portugais je crois, j'ai vu aussi un peu. Lui, voilà, je l'ai croisé au pif. Ça c'est énorme. Et j'étais bah... En fait j'ai photobombé, j'étais à Shibuya. Je suis allé à Shibuya comme ça, tout seul, random. Et en fait, quand je suis arrivé, bah, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le groupe avec Frionel, Mr. Crimson, TKR. Du coup, je les ai photobombés parce qu'ils étaient en train de prendre une photo. Donc, je les ai vus complètement parfait. Au pif. Après, je suis parti avec Crimson et TKR. Et quand je suis revenu, bah, il y avait Rappeur Tuguier. Ça parfait. N'était pas prévu. C'est parfait. En même temps, quand t'es une minorité visible dans un pays, c'est plus facile de retrouver des comparses. Oh là, le comeback qu'il lui fait là, le Blanca. Non, dommage, ça passera pas. Il a relâché la pression sur la fin là, mais genre 3 secondes et ça lui a coûté le round parce mais que. Mais combien fait long là on a vu là. Bah je sais pas, il y en a 1, 2, 3, 4. Là attends, c'est. Non, c'est bien, mais c'est. Là c'est Paraya là qui joue. Ouais, non, c'est Hitoshi Matsumoto là. Le Feilong ouais. Versus Feilong Paraya. Bleu. Paraya qui est en mode beat by 3 là. Paraya, ah, il se fait overhead direct, évidemment, pour finir un adversaire. Overhead l'a bien placé. Le Feilong, on le voit. On le. Tu vois, le bleu est même couleur que. Que le fond de l'écran. Ouais. C'est pour minder les adversaires. Ouais, tu peux le confondre, je pense qu'il est avantagé sur ce stage. Ce stage. La tier list des stages, tu veux nous dire. Ouais, non, mais il est pas valable. Stages, il est pas valable en tournoi. C'est comme c'est le stage ça. De Rachid, ça. Non, putain. Allez, putain, les réflexes de dragon, ils sont là, hein, du côté de Matsumoto. Faire un dragon comme ça, là, avec Feilong. Punition parfaite. 3 hits, juste ce qu'il faut à la distance. Ça va gratter. Non, ça gratte pas. Ça punit pas non plus. Et il va se faire tuer par bam contre. Voilà. C'est pas une super bonne super en fait à utiliser comme ça pour juste mettre des dégâts de grappe parce que si t'es pas vraiment à la bonne distance, et ben ton dernier hit ne touche pas et du coup ben t'as quand même un recover à la fin et tu peux te faire punir typiquement comme on l'a vu. Je cherche même pas à faire des combos, ça fait une ouverture cross-up overhead, enfin cross-up overhead, cross-up quoi, et derrière ça met une chop. Ça cherche pas la complexité là du côté de Paraya. Il a une chop en tout cas ce Paraya. Il va bien. Ah, c'est du un match gagnant. Ça essaye de faire un petit peu la double touche. Là, ça va se jouer un hit hein, quasiment. Oh, ça pif et. Ah, aïe. Oh, ce pif de Reka. De Reka Kaku. C'est n'importe quoi. Et voilà, feuille longue violet encore. Putain, ils se font 3 rounds, ça part une tête. XSPR, allez. XSPR, allez, l'Amérique. Vidéo. Let's go, ah, USA. C'est qui XSPR? Bah, c'est un grand fin là, tu sais. Âgé un peu. Ouais, un grand fin, ouais, il doit avoir 35. Ouais, un 35-40, ouais. Mec. Il est fort, non? Il est pas mauvais, hein. C'est probablement un des meilleurs Ryu américains. Hein. Ah ouais. T'as Dame Dai avec son old Ryu. Ouais, Dame et Dai après, est dans fort, les autres Ryu, je pense que dans les américains, c'est il, meilleur. Il est plus fort, Dame Dai. Hein. Dame Dai est bien plus fort que XSPR. Mais il vit au Japon, lui. Ah, lui, c'est un mec, ça fait 15 ans qu'il habite au Japon, je crois, ouais. Un truc comme ça. Ouais, non, mais non, je crois que j'ai fait un match. J'ai 100% de victoire contre lui. Putain! Moi, je pense que quand je joue contre lui, il me bat 3 fois sur 4, je pense. Ah, il est vraiment pas mauvais avec XSPR. Il a un bon Dalsim en plus. Hein. Il a un bon petit Dalsim aussi. C'est pour ça qu'il était frustré de perdre 3 fois. Ah si. Il a une bonne super. Putain, il prend le premier match, son premier match avec XSPR. Ouais. Donc là, il va jouer contre Hiroha. Putain, Olkami, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Oh le Camille. Non mais. C'est Vigor qui joue là, qu'est-ce qui se passe? Oh putain de merde. Je savais même pas que ça existait ces persos là. C'est que des gens les avaient déjà pris et sélectionnés dans la porn. Je sais pas, ouais, c'est. Ou alors c'est ces mecs qui se lançaient un défi, je sais pas. Il y a des gens comme moi, ils se lancent des défis de faire un top 3 en ranking à la dose avec Old Feilong. Il y en a, ils essaient de faire un beat by 1 déjà avec une Old Camille au GameSpot Versus, je sais pas. Et bienvenue à toi, Pinajus. Re-bienvenue à toi. Il y a un souci de son avec le stream, les gars, vous nous dites, hein, surtout. Il n'y a pas de retour son, là, on teste rien, bien, on est en mode stream à l'arrache. Ouais, il s'en sort bien, il s'espère. Hein. Après, Old Camille. Pas déconner non plus. Hein. Je pense que j'aurais perdu moi, contre le Camille. J'avais tellement pas le perso. Tu fais glissade chop, franchement, t'as vraiment tout ce qu'il faut pour défoncer Camille. Ah, mais je pense là, que ouais, Banzi, mode Camille, ça doit être 8-2. Hein. Il joue son Ryu comme un Zangief en fait là. Mais il a raison. Ah ouais, mais il y a les ce Tatsu, elle a quand même un entier, elle est quand même bien fournie en entière, Camille. Ah non mais c'est vrai, hein, qu'elle a des plutôt bons normaux. C'est un personnage qui a des bons normaux, globalement. Putain, le saut vertical gros point en mode BAM! Ça fait le taf, hein. Petit BAM curl encore une fois qui est rentré aussi. Oh, décalage choc à vitesse! Tu vois? Ah, Camille, ça marche vite, hein! Ça marche vite. Oh, c'est pas comme Chun-Li qui marche vite et en plus qui fait mal. Mais Chun-Li, elle marche. Après, vite. Camille, elle a des combos stun, combo mort, hein, de toute façon. Ah bah, hein. Oui. Que ça soit old ou new. Allez, voilà. Punition, bien, BAM Kaboul. Je vais faire BAM Kashoryu, je pense qu'il était à la bonne ouais, distance pour le mettre là. Plus compliqué. Hop. Oh, non, c'est pas compliqué. Bon, non, c'est pas compliqué, mais c'est plus ratable. Il y a potentiellement, tu peux te rater, mais. Eh ben, MK Boule, ça fait le taf. Hein. XSPR, je pense. Franchement, ça... MK Dragon, ça aurait pas forcément fait beaucoup plus mal. Hein. Après, t'avais la mise au sol et charge. Tout. Corps, boule de feu, boule voilà, de feu. Voilà, c'est gagné. Il a même pas mis la garde. Eh ben, je pense qu'il a raté le timing de son sort. Il a mongolisé, je pense, le. Comment il s'appelait là, Iroha. Iroha, Kami. Taicho. Taicho. Avec son T-Hawk. Non mais Old Camille, moi je comprends pas, tu vois. Comme les mecs qui jouent Old Guile, c'est en fait ils ont pas envie de s'amuser. Ouais. Alors moi j'ai une théorie pour Old Guile, c'est qu'il y a un seul match-up où c'est intéressant, c'est contre Blanca. Mais c'est naze. Mais tu te fais et chier. Encore, hein. C'est et quand encore. Tu t'ennuies, quand t'as une vie de merde et que tu veux avoir pareil dans le jeu, tu vois. Non, quand tu joues Old Guile, en fait t'as le stand LK, enfin t'as le arrière LK qui en fait n'est pas un command move avec le bazooka ni, tu sais, le coup de genou vers l'avant là. Donc en fait ça te permet de casser des glissades de ce qu'on appelle la glissade du singe là, de ouais, Blanca. Ouais, bah elle n'a pas grand point. C'est il y a éventuellement ça qui change un peu le match-up mais ça va pas non plus renverser le match-up en mode 10-0 quoi. Après il s'espère qu'il est plutôt bien parti hein, du coup. Hein. Bah il a beat by 2 déjà et puis là il domine sans problème le Tio quand il le zone bien. Bon il le punit pas parfaitement. Tatsu qui ne veut rien dire. Là c'est Artatsu là pour casser la Condor Dive en prévision. Balayette. Putain, je te laisse commenter 3 secondes. Encore Artatsu, hein. La super qui va charger, les petites boules de feu qui va gratter encore une fois, là je ne vois plus du tout l'écran. Voilà Tio qui a réussi à placer son Condor Dive avec une petite mise au sol. Là la boule de feu qui est pas gardée, le Soleil Punch, là il n'y a pas de chop. Et bah là il a loupé sa chop, hein, tu vois Tio, qui s'est accroupi 2 fois de suite. C'est dommage, il s'est fait tuer par un vieux BMP. Et du coup XSPR qui continue encore. Voilà, là, Risty, Risty putain. Risty. C'est un mec qui m'a tué 2 fois au GameSpot Versus dans ma vie, donc j'espère qu'XSPR va le défoncer. Qui joue un Ryu couleur caca. Risty, c'est un mec qui est un peu costaud, c'est un bon vivant, bien jap, bien. Tu vois, c'est un costaud quoi. Limite l'arrêt du cul qui dépasse sur l'arrêt du plombier derrière. Ok. Pour l'instant, XSPR hein, qui s'en sort plutôt bien. Et qui a pris ce premier round. Allez, voilà, le bas gros point entier là, qui passe très très bien. La petite boule de feu là qui est juste à la retombée du saut. La petite balayette, allez, chakounette, boule de feu encore une fois. La balayette bien gardée cette fois-ci. Le saut MK qui est passé. Allez, hein, Risty là qui a déjà perdu la moitié de sa barre de vie. Encore une fois, bas gros point, la super qui va gratter, la boule de feu, sphère tête sous vide. Des deux côtés, celui de XSPR qui a touché. Et voilà, là c'est terminé avec ce petit saut gros pied. Bah 2-0. Oh là, il t'a mangé. C'est violent. Oh ouais, ça fait mal. Hein. Ah merde, je te mets les joueurs, pardon, vas-y. Mais qu'est-ce que. Yaya, ah Yaya, le boxeur. Ouais, Yaya qui était là. Mais il a craqué son slip, Yaya. Non, mais il avait pas envie. En fait. Il était fatigué, ouais. Je sais pas s'il avait envie de jouer aujourd'hui, ce jour-là, mais. Bah, déjà, il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Ouais, non, mais il est parti très très tôt en fait. Ouais. En fait, il a fait son match, et si j'ai pas de conneries, il est parti 10 minutes après, tu vois. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il était pressé.
D'accord. Et Jago est arrivé une demi-heure après et lui a apporté du cassoulet. Quoi? Mais c'est quoi ce mec? Il est fou. Pour la petite anecdote. Mais ouais, du coup, Yaya, de toute façon, même un mec comme ça, avec boxeur, je pense que c'est hyper dangereux. Hein. Les cœurs. Ah oui, donc, il a pris son boxeur. Premier match, voilà, le petit bas gros point, la double touche en tir positif. Encore une fois, le bas. Attention, hein, là tu vois, là, c'est tellement de dégâts avec Esper là en quelques touches alors qu'il avait tellement l'avantage. Bon là il y a presque plus de vie. Oh là 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 là. Et là la chope qui va en terminer, non? Non. Oh, le reversal. Ah, qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'ai fait de la merde. Attendez, les gars, je vous remets la vidéo. Pardon. Oh là là, je fais de la merde. 15-44. Pourquoi on n'a plus rien? Mais si, on a. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah là là, tentative d'édition du stream en live. Erreur fatale. Mais non, mais faut pas. Je sais pas ce qui se passe là. 15 minutes 44. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon clavier qui mongolise là. Attendez, petit débranchement de. Petit reboot du clavier là. On a 2-3 soucis. Ah bah regarde, hey, on est revenu au bon endroit. Non, on n'est pas revenu au bon endroit, il était mort, XSPR. XSPR, il était mort? Ah oui, il est mort. Merde. Il s'est fait tuer par Yaya. Non, mais Yaya, c'est un chouette gars. Ah, il est au top, Yaya. Allez, on est revenu à peu près là, tu confirmes? Ouais, ouais, c'est ça, c'est Yaya face à. Chicho. 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 Chicho, je sais pas, c'est pas genre un truc genre maître ou Chicho ou professeur, je crois, un truc comme ça, ouais. Peut-être, ouais. Mais en fait, c'est illisible ce que j'ai fait. Je voulais essayer de faire un truc stylé, mais en fait, j'ai fait de la merde. C'est nul. Bon, allez, laisse tomber, Isimor. Allez, tu fais de la merde. Voilà. Retour au direct. On se concentre. Il a cassé le stream. C'est ça. Stream breaker. T'es trop e-sport. Ah là, c'est Chicho hein, qui est bien parti. Hein. Pourtant, pas forcément un match-up très favorable. De toute façon, est-ce que Boxer a des match-up défavorables? Ah oui, je crois que son pire match-up c'est 5-5, non? Je sais pas. Je sais pas combien c'est, je crois que c'est un. Donc là, Yaya là, avec ce petit SOMP là qui est plutôt bien parti. Attention, un dictateur là qui revient. Avec ses kick là en gratte. Cette petite chope là qui a fait déchoper Yaya là qui remet à égalité au niveau de la barre de vie. Allez, la double touche, encore une fois égalité, les supers sont chargés des deux côtés. Oh là là, la petite. Ouh là là là, la super qui passe derrière, Jack la chope. Oh, je le voyais tellement pas perdre le round là, tu vois, Yaya sur ce coup là. J'ai pas regardé le match. En fait, il s'est pris une super en gratte. Et après, bah, chope, nickel. Ouais, c'est un 25 versus 25. Bah, t'imagines, t'es dans une salle, tu fais un team battle, t'as 50 mecs autour des bornes. Quoi. 50, non, t'imagines que les mecs ils font une session 2x, un jeu qui a plus de 20 ans, tous les mardis, et il y a 50 mecs. C'est ça, ils sont 50 autour des bornes. Nous on est heureux, genre quand on est 14 ou 15, tu vois, à la dose, tu vois. Eux les mecs ils sont 50. 50. Quand on y avait été. À chaque fois. Quand ah ben oui, mais c'est... au Japon, non, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'était pas pareil. Bon, il y avait 70, 60. C'était à 80. 80 personnes. C'était 80 personnes dans GameSpot versus. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à jouer. Ouais, c'était la folie. C'était la Golden Week déjà. Déjà, c'était la Golden Week. Et c'était deux jours après le Kakeruko. Donc tous les gros joueurs étaient encore sur Tokyo. C'est surtout pour ça. Par contre. Bah tu vois, quand c'est pas la Golden Week, bah Matsune il a pas son déguisement. Non parce que là il est habillé, tu veux dire, comme quelqu'un de normal? Ouais, il a la grande veste. Bah il a quand même une grande veste noire de démo, tu vois. Mais il a la chemise. Avec la petite fourrure de... Non, il avait pas la petite fourrure Matsune là. Alors qui joue là? C'est toujours Chicho versus... Ouais donc Chicho il a gagné, donc là il est Sugi. Ah non, attends. Il y a eu un gars qui est passé, on l'a même pas vu. Je l'ai même pas mourir. Vu. Non, mais de toute façon, Nous les Poga. C'est tous des sacs, les gars. Hein. Hashtag Sébastien Orsep. Ah, ça parle mal sur ce. Il faut pas être absent. Non. À Lyon, quand t'es absent, tu ramasses. D'ailleurs, à ce fumiste de. De Sébastien Orsep de Marc Dorcel, j'ai ramené un truc. Putain, mais t'es vraiment un mec trop gentil, toi. Non mais je l'ai pas sur moi, c'est dommage, j'aurais pu vous le montrer parce que c'est tellement... En mode teaser. C'est tellement goldé. En gros, tu vois, c'est une boîte avec les faces des persos, tu sais, quand ils se font péter la gueule. Ah oui, c'est une boîte de pansements.
Oh, c'est tellement stylé. C'est stylé. C'est une boîte de pansement avec la tête, la tronche de Gaël en mode défaite. Ah, maintenant, dans Orcel, Sébastien Orcel avec son sel, il tient c'est vraiment parfait. Orcel, ouais, parfait. Comme c'est complètement j'ai... parfait. Le mec du sel. Moi, j'ai trouvé la sérénité au Japon. T'as trouvé la sérénité? Je vais y retourner. Ah, bah oui, le Japon, on est obligé. Oh, le combo qu'il lui a mis là. 3 stand LK en Link. Il a linké 3 stand LK, cancel Psycho Crusher. Psycho Crusher. Psycho Crusher. Hold de Kenyu. Et là, il est dans le match-up, le dictateur, hein, il le zone, il attend les pifs de dragon et il est puni avec des HK. Par contre, là, il se fait presser. Hein. Se faire presser quand tu joues dictateur et que t'as pas la super, c'est jamais bien bon. Pas de reversal invincible, y'a pas de téléport. Hein. T'as ce HK en tir là qui est tellement bien passé. Le petit light punch là qui lui met à 0 de vital. Ah, Dicta, il a la super là, mais ça va être compliqué. Il a la super, là, il fait rien, tu vois là, le Ken. Il buff le dragon. Ouais, hein. Non, mais il c'est buff ça. Juste dragon. Je sais même pas si. Oh putain, il a des sacrés réflexes là, parce qu'il a fait une espèce de startup de Psycho Crusher. L'autre, il a mis dragon direct. C'était pas un vrai Psycho Crusher, mais. On peut féliciter les. Allez, Gail qui est joué par Une. Ouais, donc ça, c'est un gros joueur, hein. Une Gail. Il se défend vachement bien, ça va être difficile pour un Holken. Allez, hein. Ouf, pas, par contre, il n'y a pas de dragon. Hadouken. Hein. Il kiffe pas. Je pense qu'il aurait pu se prendre un flash kick, hein, sur Tatsu. Le gros flash kick, je pense qu'il serait passé. Même la super. Hein. Ouais, après, un petit Tatsu, c'est quand même assez rapide. Faut des bons réflexes pour. Ah ouais, mais. Faut être là, sûr c'est de taper japonais. Hein, c'est pas les réflexes occidentaux. Hein. Bien, c'est le Shotokin. Ah, il était à la distance parfaite justement pour pas se prendre la balayette. Bah, gros point, double touche là. Pour Gail hein, qui avance au niveau de la barre de vie. Et tu vois, il fait ses boules de feu vraiment au dernier moment. Oh là là, il y avait option. Il y avait option de mort. Et là, c'est fini normalement. 3 secondes, 2 secondes. Il reviendra pas. Il reviendra pas. C'est pas possible. Là, il aurait fallu qu'il fasse TP super. Mais. Avec ça n'existe pas dans la movie. C'est pas violent Ken. Non, ce n'est pas violent Ken qui fait des dash bizarres dragon, cancel dragon, enfin juggle dragon à l'infini. Allez, un petit chop là, bien déchopé là pour le Gail. Attention, il subit un pressing. J'ai eu des Dalsim qui m'ont fait des pressings. Yoga Blast. Ah, bien sûr. Yoga mais Dalsim, Flame. C'est un personnage. Non, mais attends, Yoga Flame Chop. Oui. Et je. Yoga Flame, tu peux en avant chop. Oui. Bah, franchement, il faut que je trouve le mode d'emploi. Mais il faut que j'appelle. Non, déjà, je t'ai vu jouer, j'ai vu que t'avais commencé à faire des pressings un peu plus intéressants avec des drills, avec quelques glissades. Oh, le reversal dragon! C'est bien, il l'a défoncé là. Dragon MP reversal qui fait bien mal. Poum! Allez, petit décalage de BMK. Ouais. Il fait mal hein, quand même, hein, ce BMK. Ouais. Hein. Bah, après, t'es en début de round, donc tu sais, en début de round, t'as 100% des dégâts en fait. T'as pas de damage reduce sur les dégâts en début de round. Il y a du damage reduce sur la fin de la barre de vie en fait. C'est-à-dire qu'un combo que tu startes en début de barre de ton adversaire, il va faire plus mal que si tu fais le même combo starté en fin de barre de vie. Quoi. Ok, c'est bien à savoir. C'est une mécanique très importante. C'est pas un jeu que j'ai creusé. Il y a pas mal de liens très intéressants à lire. Alors c'est tout est en anglais, mais on arrive plutôt bien à comprendre ce qui est dit. Tant que c'est pas en japonais. Ouais. Ce saut là, il aurait pu se prendre tellement de dragons. Ouais, oh, un peu loin. Ah. Il a pas d'entière ce. Comment il s'appelait le. Holken Nulupoga. Nulupoga. Et là, ça va être bah, Gyu qui joue Ryu. Passe du coup, bah toujours hein, au Gyu. Est-ce que tu as mangé du Gyudon de Une? Alors, oui, j'ai mangé. Le meilleur plat du monde. Non. Alors, voilà, j'ai mangé. D'ailleurs, ouais, je t'en ai pas parlé, mais j'y ai pensé. Mais... J'ai mangé le pire Gyudon de ma vie. Mais... Ah ouais. Le pire Gyudon. Genre, il était pas bon. Il était dégueulasse. Genre, le bœuf. J'ai jamais mal mangé au Japon. Le riz, c'était de la merde aussi. Tu vois, genre, Okawali, c'est là. Et le Gyudon que j'ai bouffé, tu vois, vous pouvez même pas le voir parce que la webcam va pas assez loin. Là, je te jure, dégueulasse. Mais c'était quoi? C'était une chaîne ou c'était. Pas bon, mais. T'étais dans une chaîne ou t'étais dans un truc spécial ou... Je sais pas, non mais. Dommage. Ah ouais, je suis salé. Par contre, j'ai bouffé des takoyaki le dernier jour. Ce qui fait encore qu'une fois que mon dernier jour était pété. Bah, déjà, j'ai vu, t'as claqué tout ce qui te restait comme thune dans des sushi shops. Ah ouais. Ah non, le sushi. Alors, si vous allez
Au GameSpot Versus. Si vous allez un jour au Japon et que vous faites le GameSpot Versus, il faut savoir qu'il y a un sushi shop juste à côté du GameSpot. Un sushi bar. Ouais, un bar à sushi complètement craqué à côté du GameSpot Versus. Ouais, juste en bas. Et pas cher, hein. Enfin, pas cher. Bon, c'est des sushis, c'est pas donné, hein, mais raisonnable, quoi, par rapport à la qualité. Je crois que j'ai claqué 40 balles. J'ai regardé ton addition. Et j'avais calculé à peu près 30 balles. Mais... Non, 5500 yens. Ah, d'accord, c'est un petit peu moins. Ah, j'ai mal calculé. 5500 yens. D'accord, ouais, 40 balles. Quoi. Enfin, pour, après 40 balles, t'as mangé des trucs de qualité. Ouais, une 15 pièces à peu près. Non, mais attends, je sais plus. Ouais, peut-être une vingtaine. Non, enfin, c'est pas du poisson que t'as en France. Non, non. Non, bah d'ailleurs, ce mec-là, tu vois, j'ai bouffé tout l'autoreau qu'il avait. Il y avait plus de thon rouge dans la baraque. À chaque fois, je commandais, je dis, bah tu me mets. Du thon, tu mets du saumon, de l'anguille, et puis tu mets de l'otoro. Et à chaque fois, je disais, bah, tu mets une anguille, un saumon et un otoro. Et je lui dis, un saumon, quelque chose, deux otoro, trois otoro. Et puis à la fin, je lui dis, bah, tu m'en mets quatre. Il dit, bah, non, je peux en faire que deux. Je lui dis, bah, vas-y, mets tout. Et du coup, là, il y a Gaël. C'est quoi le match, là? Il y a Gaël qui entre dans un bar. C'est toujours qui demande. C'est ça. Contre. Bah non, attends, Rodo. Non, contre Geist. Contre Geist. Geist qui joue Sagat. C'est ça. Et du coup, qui meurt avec Sagat. Et voilà. Du coup, et encore un match. Voilà. On commente pas les matchs en fait. On parle des vacances de W. On va renommer le stream les vacances de W bah, au Japon. Ouais, c'était bien. Et là, c'est Rodo du coup qui joue. Rodo. Oh putain, bah All Sagat évidemment. All Sagat, voilà les persos de Sarah. Oh le dragon! Ah bah c'est bien. Tu sais, le petit saut MK, la con de Guy là, tu mets gros dragon dedans. Avec All Sagato. Par contre, il fait que des boules basses, je comprends pas. Est-ce que ce serait pas mieux? Est-ce qu'il y a plus ou moins de recover avec les boules basses? Bah en fait, c'est surtout que tu peux facilement éviter la boule haute en te baissant. Alors, ouais. Si tu veux éviter une boule basse, t'es obligé de sauter, donc de prendre un risque en fait. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'il. Du coup, faudrait qu'il dragonne quelque chose, parce que là, du coup, il fait que des boules basses et il se prend tous les. Ah ouh, la terre. Ça va être chaud pour la fin là. Il va chercher le corps à corps, c'est bien. Ça, c'est très très bien le arrière MK. Aïe. RMK ça Tiger va Nick, passer vois, un peu au-dessus. Il a même pas le temps de choper derrière, c'est dommage. Ah, le Tiger Nick qui chope, c'est quand le mec il s'est vraiment endormi quand même. Parce que t'as beaucoup d'armes là, pour casser le Tiger Nick. Je pense qu'il aurait eu besoin, il aurait eu le temps de choper ou de faire n'importe quoi, un petit dragon ou quelque chose. Bien, voilà, petit doué de combo là qui est bien passé avec le flash kick. C'est un stun là, tu vois, voilà. Non, mais attends, ça a mis combien de temps il a mis un stun là le poc là, bam, il y a pas de garde, que dalle. C'est n'importe où. Il s'est pris un combo 5 hits reset à chaque fois. Et du coup, voilà, c'est Old Sagat hein, qui aura pas fait long feu, Rodo, et qui va laisser la place à Mia. Mia qui a. Ah, Mia, c'est un Ken très sympa. Ouais, c'est un. Je crois que je l'ai sur Facebook, c'est un mec qui il passe son temps à faire du foot et à jouer à 2x, quoi. Putain, là, tu as pris deux gros points quand même en boule de feu. Bon, c'est hey. Non, pas combo. Non, un peu trop loin, je pense. Un peu loin. Ah, quoi que. Non, mais c'est vrai que le flash kick, c'est pas un dragon, ça tape loin quand même. Bah, ça tape. C'est pas gros point. T'as vu derrière, c'est bizarre. Ouais, non, mais il a touché en crossdown. C'est bizarre. Entière crossdown. Oh, il a marché dessus, moi. Bam. Tiens, prends mon stand MP, c'était sûrement une chope. Hein. C'était une espèce de. Soit ça touche, soit ça fait chope. C'est Ryu, ça fait marche de l'empereur dragon, lui, c'est pas être couille, marche de l'empereur dragon. Stand MP. Stand MP, c'est. Stand MP, ouais. Close MP en fait. Ouais. Close MP. Stand MP, s'il te plaît. Oh, il a déchiré. Ça le round, il a duré 8 ça, secondes. Ça fait toujours plaisir, ça. Les combos, gros pied, gros poing, dragon. Alors, c'était un stand MP, si je dis pas de conneries, mais ouais, ça arrache la barre. Hein. Ça arrache la barre. Le mec, sa barre, elle s'est envolée. De toute façon, il y avait stun, de toute façon, il y avait mort derrière. Mais Miyaken, ouais, c'est un plutôt bon joueur, mine de rien. Il fait partie des bons joueurs de Tokyo. Même si c'est pas le meilleur Nuken de Tokyo, parce que le meilleur Nuken, incontestablement, c'est Matsune. Et derrière, il y a des joueurs comme Shu et Cho Shu Ken aussi. Mais Mia, il est pas loin derrière. Ouais. Est-ce que tu as joué avec James Chen d'ailleurs à 2X? Bah non, je l'ai pas vu. Parce qu'il a été joué à la salle Hey, il a été joué au GameSpot. Il y a quelques jours, mais j'étais déjà parti en fait. J'étais déjà au travail. Ah putain, c'était déjà back on the field. Et donc, bah, Une, ça y est, Une se fait sortir après un beat by 1, 2, 3, 4. Et c'est Hatenko. Tenko Ryu, c'est ça. Qui va le remplacer. Tenko, c'est un mec qui parle anglais. Hein. Si un jour vous allez au Japon et qu'il y a ce mec-là qui vient vous voir, c'est un petit peu maigrichon, mais avec des lunettes, très sympa, et qui parle bien anglais. Et du coup, il aime bien venir discuter un peu avec les étrangers. Je sais pas si t'as discuté avec lui, non t'as pas fait gaffe plus que non, ça, non pas énormément. J'avais parlé un peu avec Matsune et
Kawasim. Ah, Kawasim, ouais, il parle bien anglais. Ouais. Kawasim, il est cool, hein, trop bien, ce mec. C'est un gars qui va. Il aura des réactions. Dès qu'il va se prendre un hit, il va commencer à gueuler. Ouais, c'est un excité, ouais. Non, mais il est énorme. Mais pourtant, il joue Dalsim. Hein. Enfin, là, c'est le début de la fin, parce que je suis arrivé, il joue Zangief. Hein. J'ai des photos hein, où il joue Zangief. Non, mais je te jure. Ah, peut-être qu'il en a marre de jouer un top tier aussi. J'ai aussi des. Non, oh, la face. Oh, ça fait pas combo. T'as pas linké le dernier hit du dragon? Dommage parce qu'il y avait sûrement stun là-dessus. Ah, mais il y avait Nakamura, tu vois. Il y avait Nakamura au aussi. Au game, ouais, mais il est avec James Chen là, putain. Ah, hey. Takeshi Nakamura Kami. Ouais. Ouf, t'as la distance là. Il y avait danger pour Miyaken. Déjà par contre il n'y a plus de super du côté de Ryu, par contre les pixels de vie se comptent maintenant du côté de Miya. Mais c'est de venir, attention là avec ses balayettes en anti-air. Et trop de dragons tuent le dragon. Il concède le round de Miya face à Hatenko pardon. On prononce le H en japonais. Bien joué, un bon dragon anti-air d'Hatenko. Par contre le reversal est là, très difficile à save jump hein, Nuken. Dragon il sort en 2 frames je crois. Je sais même pas si c'est possible en fait de save jump Ken. Je crois que c'est pas possible de save jump Ken. Je crois que c'est Dragon qui sort en 2 frames du coup, même si tu touches en l'air, après t'as tes frames de recover, donc tu peux pas faire un vrai save jump sur Ken, sur New Ken en tout cas, ou surtout sur All Ken en fait. Le dragon il sort en 1 frame je crois le dragon de. Plus c'est le dragon ou la super de New Ken qui sort en 1 frame. En théorie, voilà, c'est pas possible de save jump. Oh, il s'est même pas retourné, Ben. Ah, non, il a pas gardé. Dommage. Et bah, c'est la défaite alors. Un Grigla, Gouligula. C'est Wassim qui joue. Un petit Zangief slip jaune. Putain, slip jaune. Boris. Boris, attention, hein. T'as de la concurrence. Ah, mais je crois qu'il l'avait déjà vu. Je l'avais mis sur Facebook. Et ça, c'était le gâteau de versus de ce jour-là. Avec quelqu'un qui dort sur la bande derrière. Putain. Qui c'est, je reconnais pas. Tu reconnais pas? Non, je reconnais pas, c'est qui? Bah, c'est Matsune. Ah, c'est Matsune. Ah, ouais, si, c'est Matsune. C'est Matsune en train de dormir sur la bande, non, le mec. Jamais. C'est... Ah, si, bah, ah, si, vous voyez bien. Non, là, c'est Matsune qui est en train de pioncer sur une borne. Sur une borne de Mahjong. Ouais, c'est ça. Ah, c'est stylé. Le GameSpot versus, c'est une ambiance, ça se vit le GameSpot versus. Ils sont tous complètement cannés. Mais il y avait Komoda aussi la semaine d'avant. Putain, c'est stylé. T'as cette double touche là sur le flying, il y a pas gros point. Il y a un grand maître de Sim, hein, Black. Ah ouais, Kawasim. C'est un des meilleurs joueurs de top 2, hein. Top 2 d'Alsim avec Akaze. C'est ça, Akaze c'est le grand maître. Bah, ils savent pas. Hein. Franchement, moi j'ai demandé à Akaze c'est qui le meilleur joueur de Sim. Ah, mais après, ils oseront jamais le dire. J'ai demandé à Kawasim c'est qui le meilleur d'Alsim et il m'a dit Akaze. Tu vois? Donc là, le Balrog, c'est qui ce Balrog? Bah, c'est Grigula. De qualité. Tu connais Grigula? Grigula, non, je connais pas. Non. Il est fort ou pas? Tu connais, hein? Il me semble que Grigula, normalement, c'est un joueur de Ryu. Mais peut-être qu'il est passé à. Ouais. Mais là, j'aurais besoin de toute l'expertise de X-Gamers parce que c'est lui qui sait vraiment bien quels sont les personnages que jouent les joueurs japonais. Je sais pas s'il est encore avec nous, X-Gamers. En tout cas, on a la Kami de Waku. Waku Kami. Là, X-Gamer, bah, si tu m'as entendu, X-Gamers, il me semble que Grigula, normalement, c'est un joueur de Ryu. Ouais, donc là, il fait bien le taf hein, face à la Kami, là, déjà. Ouais, c'est un match-up largement pour... Oui, là... Quoique, c'est peut-être plutôt un 6-4. Hein. Un petit swim K. C'est un Fei Long, d'accord. Ah ouais, le mec, il a changé de personnage direct dans la tier list, quoi. Il est passé de Fei Long, tu vois, il est passé à le top, quoi. C'est la facilité. Ouais, il a raison. Ils en ont marre de faire le tournoi. En fait, le but du jeu, quand t'es japonais, c'est de ne pas avoir le droit de faire le tournoi des mauvais. C'est ça, ouais. C'est ça. Le comment ça s'appelle, le X-Heure. Le X-Heure, où il faut... T'as pas le droit d'y aller si t'as gagné un majeur. C'est ça, si t'as gagné un majeur japonais, ouais, tu n'as pas le droit de faire le X-Heure. D'accord. Donc voilà, là, il y a déjà quand même un round partout. C'est déjà beau, hein, tu vois, pour une Camille. C'est beau pour une Camille. Après, je crois que c'est pas un match-up si bâtard que ça, en fait. Parce que la Camille, elle a des normaux qui peuvent casser, je crois, vraiment tous les coups de Klo, quoi. Voilà, un Klo qui est quand même très bien parti. Là, il est hyper bien parti. Là, il s'est pas aimé, là. À moins que là, il se fasse phaser. Ah bah là, ça va faire... Ouh là là là, mais il n'y a plus de vie. Tu vois, la vie de Camille qui s'envole tellement bien.
Aïe, ouais, la glissade, zéro vital. Allez, allez, comeback peut-être. Hey, hey, bien joué, décalage up. Le devant derrière, non. Oh la super, ça tue. Oh, ça tue pas. Non mais t'as vu comment il l'a. Oh, il est vite avec le reversal, reversal 3 points. Ah, il aurait pu. Oh, mais ça tue. Non, décalage up de fou. C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, mais là, le mec, il aurait pu se prendre un deuxième dragon direct dans les dents. Ah, mais. Ah, non, mais t'as vu. Ah, non, mais le décalage chop. Non, mais il aurait pu faire un truc qui gratte ou je sais. Non, non, le chop, il lui a marché dessus. Il... Ah, c'est Fukuyama, ouais. Franchement, voilà. Il aurait pu perdre. Wouah, il lui a marché dessus, stand gros point BMP, c'est combo, hein. Close gros point BMP avec Vega, c'est un excellent combo qui stun à mort. Mais. Putain, mais ça devrait stunner au bout d'un moment, là. Alors, l'autre coup, j'avais El Trouble, l'américain, qui me disait que, en fait, à 2x, c'est pareil, sur le début de ta barre de vie. T'as beaucoup plus de chances de te faire stun par un combo que sur la fin de ta barre de vie. C'est pour ça que des fois on voit des ouvertures de round où t'as une Chun-Li qui va arriver, qui va faire bam bam, qui va te faire 2 hits stun en fait. Ah ouais. Et le même combo en fin de barre de vie qui ne stun pas. Normal. Voilà, le Balrog est mis à partir. Ce gros combo, il a déchiré Fukuyama. Il se défend un peu mieux que ça d'habitude, Fukuyama. Et alors là, c'est W. Alors là, on va regarder ton match et après on va faire une analyse de ton match. Tu vas me dire ce que t'en penses, d'accord? Je te laisse commenter ton match. Ah non, non, moi je commente pas. Ah, tu veux pas commenter ton match? Non, non, moi bon, là, donc, je sais ce que je joue. Hein. Tout le but pour Vega dans ce match, enfin pour Balrog dans ce match, c'est de mettre au sol. Une fois qu'il t'a mis au sol, théoriquement il t'a défoncé, il t'a tué, c'est fini. Donc là, bah, par contre, t'as une bonne garde effectivement sur ce Balrog. Oh putain, mais le stun bien joué, ça tue Gaflame. Et la chope qui enlève la barre. Oh la barre. Ah mais le mec il a pris enfin il a pris un morceau de barre, un quart de barre sur une chope. Ah mais bien sûr. Moi ouais, tu essaies de zoner avec le phare MK, c'est intéressant. Heureusement pour toi il a pas touché sur BMK. C'était quoi ça? Ah ça c'est BMP. C'était quoi ce BMP en anti Barcelona? C'est quoi ces match-up ça? C'est. Mais ouais. Oh, je veux revoir la lentille à la fin du match. Pas. Non mais c'est quand il le déclenche tôt. Ouais, s'il déclenche trop tôt effectivement. Ouais. Peut-être que s'il déclenche tard ça marche pas, mais là, sur un déclenchement tôt ça marche plutôt bien effectivement, j'ai l'impression. C'est intéressant, par contre, t'as pris une grosse rolling, effectivement. Ah, ça fait mal, c'est clos, hein. Moi, j'avais déjà perdu, là, dans ma tête. J'étais heureux d'avoir pris un round. Hein. Ah, c'est bien, sa zone. Mega Flame. Ouais, je vois que tu fais plus de drill qu'avant, ça qui est intéressant. Parce que c'est vraiment très, très important, la drill avec... Ah, t'es un peu dans le caca, quand même, là. Je sais pas comment tu vas t'en sortir. Je sais que tu vas gagner, donc c'est pas drôle. Mais... Oh, putain, mais il chope pas là-dessus. T'as du cul qui chope pas là-dessus. Bien, ça, c'est Sniper. C'est beau. Dégage chop, ouais, c'est bien, voilà. Encore dégage. La super. Bah oui, c'est bah quoi cette super? Ça n'a pas de sens. Non, non, non. Alors, moi, je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais revoir. Alors, je veux revoir. Vas-y, vas-y. Donc, on va analyser ton match. Tu vas me dire ce que t'en penses. Alors, tout ou presque était calculé. C'est vraiment. T'as alors, en réflexe, tu vois ce vrai fumiste de Qs qui dit ouais, t'as arnaqué le mec, je dis va te faire foutre. Tu vois, déjà, premièrement. Ensuite, remets-moi le. Voilà. Donc, la plupart des choses étaient. Bon, voilà, là, je me prends une petite glissade, là, c'est normal, voilà, la garde qui est bien. Voilà, boule de feu dans la roche. Des boules de feu. Ça, c'est normal, voilà, c'est pour le zoner. Ouais. Le gros point en garde, ça, voilà. C'est bien. Ça, c'était normal, ça. Je l'ai vu sauter, j'ai fait saut, instant drill, gros point. Parce que c'est très très casse. Bien. Ça casse. La drill gros point, ça va chercher assez loin quand même devant la tête en fait. Hein. Donc voilà. C'est pas mal. En air-to-air comme ça, ça se défend. Voilà, donc là le petit saut arrière pour s'éloigner. Là j'ai refait un deuxième saut arrière, mais j'ai pas eu le temps de faire ma drill gros point. Avec le MK pour casser le saut. J'ai eu la chatte que le yoga il touche. Ouais. Et bah, la chape, oui, voilà, je lui ai avancé dessus, j'ai vu la vie qu'il avait, j'ai dit bon bah ça tue. Là, de rien, sur toute la fin du round, t'étais vraiment à des distances parfaites et t'as utilisé les bons coups aux bonnes distances, quoi. Voilà, donc je l'ai défoncé. Premier round, franchement, très très bien. Je l'ai défoncé. Ouais, j'étais frais, franchement. Quand je l'ai tué, j'étais. Oh. Là, t'es dit, c'est bon, là je suis chaud. Là, tu t'es dit, là, je suis chaud, là. Voilà. En plus, t'as une vraie garde hein, sur les Barcelona. Là, t'as la chance qu'ils fassent pas comme on a pas mis un seul. Hein, ah putain, mais c'est trop bien ça, mais je veux revoir ça, moi. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça réduit là, François? Mais pourquoi ça me réduit quand je fais flèche du retour? Ça devrait pas réduire comme ça. Ah mais mon clavier il bug, je te jure que mon clavier il fait de la merde en fait. Non mais ça fait de la merde mon clavier, je te jure. Je vais chercher la bière moi. Ouais, va chercher une bière parce que là c'est vraiment de la merde le clavier. Ah là là, j'ai encore tout baisé l'univers là.
Je suis désolé les gars, pour ceux qui regardent le stream avec nous, là je nous nique le stream, mais je comprends pas, normalement quand j'utilise les flèches du clavier, ça devrait faire revenir en arrière. Non mais j'utilise pas les flèches, j'utilise la souris. Ouais, j'utilise la souris, ouais. Bon, on est revenu à ton match, donc t'as pris le premier round, et donc là tu perds le deuxième round. Donc je vais juste revoir, là c'était vraiment très intéressant ce que tu fais sur ta relevée là. Voilà, ça va être juste maintenant là. Putain, c'est vraiment top hein ça. Mais je sais pas si c'est non, vraiment un truc c'est que pas tu peux utiliser. Ouais. C'est pas fiable. Je pense que c'est pas un truc ultra fiable. Sa mère, j'arrive pas à la déboucher. J'arrive pas à déboucher la bière, mais comment on va faire? On va mourir. J'arrive pas. Tiens, essaye toi. Ça ressemble à l'explication de KKY. Qu'est-ce que tu veux dire par là, X-Gamer, sur, tu parles du quand je parlais tout à l'heure de l'histoire du stun en début de barre de vie par rapport à la fin de la barre de vie? Ouais, je vais arrêter de choper, on va laisser couler le stream au fur et à mesure. Et voilà. Donc voilà, là, toujours des petites tentatives de drill pour casser les flying. Les flying, il m'en a quasiment pas mis. Je tiens à préciser. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu les as vraiment très très bien gardés. Ouais, ils les faisaient pas très bien après. Il les faisait de façon logique. J'ai entendu Attends, qu'est-ce qu'il raconte le mec? Attends, là, on a pas quelqu'un qui parle Jap là dans le truc là? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais pas. Il dit que tu joues Claw, je crois. Pas le log. Il lui a dit Zimorn. Il a dit que tu jouais Claw. C'est tout. Tsukai. Ouais, bah je sais pas ce qu'il dit. Faudrait que je demande à quelqu'un de nous traduire ce qu'il dit, mais il parle de moi. Genre en mode ouais, si je suis une superstar. Je suis une superstar. Ouais, peut-être qu'il dit qu'on s'est entraîné ensemble dans le match. Tu vois, Banka, là, double touche qui est bien passé. Encore une drill gros point cette fois qui touche beaucoup trop. Bah là, je me suis bourré tout simplement. Drill medium kick qui allait pas. Oh, t'as la chatte qui n'est pas chopée ça, mine de rien. Ben ouais, parce que là t'étais mort, hein. S'il chopait t'étais mort. Yoga Blast, la drill gros point. Ah, mais c'est quoi ces punitions qu'il te fait? Ah mais il y a des trucs qui se voient là, tu vois. Ça c'est sniper, ça c'est vraiment bien, c'est sniper. Là c'est la drill, là il chope pas du coup, moi je chope. Là je fais le machin pour m'en trouver. Et là j'atterris, tu sais ce que j'entends quand j'atterris? Youhou! Ah ouais, ouais. J'y vais, pas cherché. Il va forcément me retomber dessus, j'y me retombe dessus. J'y vais me taper, j'y super, nique sa mère. En fait il a ouvert les mains, s'il avait pas ouvert les mains, je pense que t'as super touché pas. Bah peut-être. Mais c'est parce qu'il a ouvert les mains. J'ai dit vas-y, il va me faire, soit il va me faire le truc dans le mur ou un flying, j'ai dit vas-y. Bon donc déjà, tu viens de battre un mec qui a un match-up 8-2 contre, enfin pour toi quoi, contre lui quoi, bah ouais. Pour lui quoi je veux dire. J'ai défoncé, un mec qui avait beat by 3. Hein. Donc là t'affrontes Shonan, alors je sais pas qui c'est, Shonan Ryu. Donc toi t'es dans le caca quand même un peu. Ouais, ouais bon carrément. Tu kiffes ta super, t'as le droit et tu ramasses une... Oh non ça va t'es... Ah dommage, ouais. Putain t'avais bien esquivé la super. T'as vu cette belle esquive? Non j'ai pas eu le temps de faire ma glissade. Non mais c'est bien, raté. T'avais esquivé la super. J'ai raté la glissade et là je m'en veux parce que d'habitude j'arrête pas mes glissades et j'en ai raté un nombre incalculable. Pour ce voyage. Ah là il te met des tas de soirées. Alors sur le premier round t'as ramassé déjà quelques tas de sous comme ça. Ah ouais, il m'en met plusieurs en fait. J'essaye de varier un petit peu les yoga flame et les yoga flame. Ah, il faut. Mais à chaque fois il passe à travers en fait. Il réussit très bien. Voilà, oh putain le pire, ouais, il a essayé de punir. En fait là, il a essayé de punir le recover de ton Yoga Fire avec un Hadoken quoi. Voilà tu vois, la petite boule de feu en fait avec la drill light kick pour se rapprocher. Ouais c'est la light, t'as le temps de garder. Bien joué, bien zoné sur la fin avec le MK. J'ai eu beaucoup de punitions comme ça ici, hein, sur les. J'ai l'impression que t'as ramassé quelques overheads aussi, hein, mais bon. Après 2x, les overheads, il y en a tellement. Oh la super! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une boule de feu. Ouais, mais il y avait des trous. Ouais, ça a pris que 4 hits. Il y a un freeze dès qu'il y a eu des boules de feu. Ah, tu le défonces, là, c'est fini là. Yoga Fire. Voilà, bien, ça c'est bien. Parfaitement timé, c'est bien ça. Bien joué, bah 2 victoires alors. Beat by 2. Je veux qu'on m'appelle W-San, beat by 2. Beat by 2, W-San. Ouais. Alors là, c'est un mec, je connais pas. Le Red. Blue Red Okudake. Il est trop fort ce mec. Il est trop fort. Ouais, je pense que j'aurais pu le tuer, mais. Mais t'affrontes que des Ryu en plus, c'est pas des match-up ultra sympas. Ouais, mais les mecs ils connaissent, hein, t'inquiète pas. Ouais, c'est un Shonan, d'accord. Je connais pas Shonan, donc c'est. Putain, c'est bien si c'est un mec fort en plus. De plaisir. Salut à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Bienvenue sur Lados TV. Donc, on est en train de regarder le GameSpot Versus qui a eu lieu mardi dernier en compagnie de W qui a participé à l'Evo Japan. Ah salut Newsems, putain il y a les potes de Toulouse. Désolé Newsems, ça joue beaucoup moins à PUBG en ce moment, mais il y a un jeu qui s'appelle Dragon Ball Fighters qui est sorti.
Donc il y a quelques jeux qu'on met un peu de côté, tu vois, on les met de côté et on se concentre un peu sur les bastons. Voilà, là tu vois, j'ai loupé ma super. Du coup, j'ai fait ce gros point. Ah, et là, t'as vu comment il l'a vu. Et là, il a vu la frame, le mec. Il a vu la frame, quoi. C'est Peko. Peko, tu connais? Ouais, Peko, ouais, bah Peko, c'est le meilleur Holken du monde. Hein. C'est le meilleur Holken du monde. C'est probablement aussi le meilleur Gookie du monde. C'est le seul mec qu'on connaisse au monde qui dose vraiment Gookie au Japon. Donc. Le perso sans honneur. C'est ça. Mais c'est un jeu de baston, faut pas d'honneur sur les jeux. Et voilà, du coup, je suis mort hein, au GameSpot Versus. Ouais, bah avec un petit beat by 2 en milieu d'art. Ouais, franchement, je suis pas trop déçu, tu vois. Et là, c'est quoi? C'est Makiriken, toujours versus Blue Red Okudake Ryu. Ouais, c'est bien, bonne punition ça. Dragon, startup de dragon, direct, Chakunet, pas le temps. Dommage, par contre, il a droppé le combo, il avait sûrement une bonne ouverture là, le Ken. Le Ken de... J'ai bouffé le nom. Makiri? Non. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ah si, si, c'est ça. C'est... Makiri. Non, parce que attends. Ouais, ça c'est Makiri, ouais. C'est ouais. Makiri Ken. Ouais. Il se défend bien aussi, Makiri, normalement. Ouais, bah là, c'est compliqué. Hein. Moi, je te dis, hein, il joue bien, Frigo, quand même. Hein. Pas déconner, hein. Non, il est relativement safe, il a des super réflexes. Quand je lui ai mis la dernière glissade, il l'a pas vu. C'est pas possible qu'il l'ait vu, cette glissade. Que je lui ai mis à la fin. Ah, il a peut-être senti la distance et tout. Mais non, parce que franchement, j'ai à peine glissé sur une frame. Et à demain, Black Mane. On se retrouve pour monter dans la voiture de Kenono demain matin à 8h30. Bah, on va à Clermont. Et il n'y avait pas une histoire de dose chez Argan demain soir, non? Ah non, c'est demain, c'est toute la journée à Clermont. Il y avait une histoire de on fait la nuit à Zargat. Mais je crois qu'on le fait à Clermont. Mais c'est vrai. Toi, tu travailles demain ou? Bah oui, je travaille, moi, Nixon. On démarre. Ouais, tu viens de passer 8 jours au Japon là. Oh, bien joué ça! Ah, dommage, c'est pas combo la balayette là, mais. Je suis rentré mercredi, j'ai travaillé jeudi. Ah ouais. Je suis défait. Moi je connais un mec, il a fait un tournoi au Canada. Il est parti le jeudi soir. Il arrive au Canada, il dose au Canada. Il revient du Canada le lundi. Le lundi à midi, il est au boulot quoi. Ah, j'étais éclaté quoi. Ça va, le Canada c'est quoi? Décalage. Ouais, ça a été niveau décalage. Allez, il faut qu'il pousse le dictateur de Koedo dans le coin. Voilà, il le laisse pas sortir du coin. Un bon dragon en réflexe et ça marche très très bien ça. Bien joué. Allez, mort. Alors, si je dis pas de conneries, Mort, c'était une... C'est un Jap. En fait, ouais. Mort, c'était une salle d'arcade à Tokyo. Si je dis pas de conneries, c'était une salle d'arcade à Shibuya, même, à une époque. Et il y avait... et donc, lui, c'est Mort Guile, mais il y avait aussi un mec qui s'appelait Mort Balrog. Il y avait un... Je crois qu'il y avait aussi un Mort Vega. Et en fait, bah, c'est des mecs, tu sais, ils disaient, bah, moi, je suis le Vega de la salle Mort, quoi. Et c'est une salle qui a fermé. Il joue contre. Oh, bien joué, le combo super, mort, parfait ça. Blue Red encore, tu vois. Ouais, c'est toujours Blue Red, au Kudake. Qui est 1, 2, 3, 3, qui est en beat by 3. Bah là, il a beat by 3, ouais. Il a 4 points au compteur, donc il est en beat by 3. Il est bien, là, bon, il a un match de retard, il a un round de retard sur Mort. Mais alors, Mort, on le voit assez souvent, hein, ce mec-là. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, le mec qui s'appelle aujourd'hui Sensei Klo, en fait, c'est Mort Balrog. C'est le mec qui s'appelait Mort Balrog à une époque. Oh, bien joué, elle a super à cette distance en réflexe, c'est parfait. Bon réflexe, là, de Blue Red. Allez, un round partout. Égalité, là, pour l'instant, la barre de vie, ça gratte un petit peu. Là, le flash kick qui passe au travers de la boule de feu. Petit dragon en first attack. Allez, un bas gros point tir, double touche. Allez, il est très très bon sur le réflexe de ouais, Bernuckle là, comme bien mal. Allez, le flash pick à la chope, là, très bien déchopé là, de la part de Mort là, qui va lui faire gagner un peu de vie là, et l'empêcher de retomber à l'égalité avec cette petite double touche là en entier, encore une fois, là, le Ryu hein, qui s'approche hein, petit à petit. Non, super! De la mort. Ouais, non, mais la super. Non, le reversal là, le Sonic Boom était sur lui, hein, c'était pas possible. T'as vu le petit 2MK là pour casser le tatou là, c'était bien joué. C'était intéressant. Hein.
T'as Ryuk là qui fait des... Oh, ah, il est retombé dans le Tatsu, ouais, ouais, coup de pied. Avec son Tatsu, il est retombé dans le Sonic Boom. C'est énorme, non, c'est le Sonic Boom, pas de chance. Ouais, c'est Sonic Boom, j'ai l'impression. Et du coup, ouais, voilà, Mork qui va mourir et... Non, c'est Mork qui a gagné. Ouais. Et là, c'est Yakitori. Yakitori, donc... Yakitori, c'est un petit hook d'habitude. C'est des brochettes, en fait, de poulet. Ouais. Normalement, c'est une brochette de poulet, ouais. C'est des petites brochettes c'est de poulet. C'est du poulet frit, normalement. Que vous mangez en tapas. Non, c'est pas frit, c'est mariné. Ah, c'est mariné. C'est mariné. Et après, c'est poêlé, c'est grillé, tu vois. Ah, c'est bien, ça. Il pousse dans le coin, cross-up, derrière, il y a shop. Il n'y a pas de charge pour faire un flash kick. Wouah, le marathon, il a traversé tout l'écran. Il a traversé tout l'écran, il s'en bat les couilles. Ah ça marche, putain, c'est des persos de black, ils ont des grandes jambes. Hein. Des persos de black, ils ont des grandes jambes, d'accord. Ok, je valide. Yakitori, avec son DJ. Hop là, petit swamker, là. Tout gardé, là, du gars. Boule de feu, boule de feu. Ouf, il a failli retomber dans la boule. Ouais, non, mais là, c'était timé. Boule de feu. Petite glissade, là il y a beaucoup de garde. Hein. Ah, il est à la frame vraiment de la boule hein. Quand il fait des sauts verticaux. Il est parfait, Yakitori. Il maîtrise son. Ouh, tentative de décalage chop. Hein. Ça c'était un stand MP donc il a dû essayer de chercher la distance parfaite de chopage en fait. Mais il était un poil trop loin, il s'est raté. Oh, il va gagner sans problème là. Eh non, tu retombes dans ta boule et c'est une victoire de Yakitori. Le timing. De saut, c'est dommage. C'est bien, c'est super équilibré là, ils sont à 17. Non, ils sont à 16 à 16. 16 à 16. Ouais. Allez, Black Mane maintenant qui entre en jeu. Non, c'est Suzuki. C'est un très très bon Zangief. Ouais, mais là ça va être compliqué hein, face à un DJ là, bien huilé. Je pense que c'est un match-up pareil, 7-3 ça, non? 9-1, ouais. Ah non, attends, non, parce que y a un setup. Il y a un setup de mort en fait dans le coin. Si jamais il met au sol DJ dans le coin, en fait, il peut faire une option select bas moyen point shop en fait. Je jure, infini. Tu demanderas. Ouais, c'est un infini en fait, c'est un setup le round est fini. Non, non, mais c'est 9-1 le match-up, hein, Zangief. Ouais, mais sauf si DJ est mis au sol dans le coin. Ouais, mais ça c'est comme tous les persos. Oui, après voilà, ouais, c'est 2x. Je considère personnellement, après. Voilà, si vous voulez. Ah non, il est pas à distance, bon, il n'a pas pu. Allez, Nargan. Le setup? Non, pourquoi il fait pas le setup? Il a raté. Oh, il gagne! Zéro? Non? Draw? Oh ouais, putain, le pixel! Il a gratté! Il a juste gratté! Comme il faut. Mais non, moi franchement, je trouve que. DJ, c'est celui qui a le meilleur match-up contre. Bien joué, 3-6 après le saut, il n'y avait pas de charge anti-air, il n'y avait pas de reversal. Lariat là. Encore une fois, bon lariat, c'est bien. Faut éviter le pressing à la boule. C'est pas facile quand même comme match-up. Hein. Faut arriver au corps. Oh, bien joué, décalage 3-6. Après le lariat. C'est bien ça. Hein. Bien joué, c'est bien ce bas petit point en anti tout ce que tu veux. Parce que là, que le DJ il fasse un dragon ou qu'il fasse donc le sobat avec les pieds là, bah de toute façon en fait le bas petit point il va chercher tellement loin, tellement vite qu'en fait il y a aucune des armes de DJ qui pouvait casser. Par non, contre, là, il va faire un comeback là. Bien joué, la chance. Il a pas cassé le lariat, il aurait dû le casser avec le Nissan. Là, je pense qu'il a essayé de faire une boule à la c'est possible, c'est possible. Le jeu, c'est à bas gros point, ou bas moyen point, peut-être. Bien, zone avec le Farashka. Le glissade, la boule de feu qui touche, encore une glissade. Il cherche pas les embrouilles. Hein. Zangief qui a déjà perdu la moitié de sa barre de vie. Yakitori, il se met en. Oh, putain, il cherche un peu les embrouilles. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire là, il s'est rapproché pour glisser ou je sais pas. Pour décaler une chope après le lariat, je sais pas. Ah non, mais tu chopes pas Zangief. Ouais, c'est chaud. Tenter une chope sur Zangief, c'est toujours un gros danger. Il y a tellement aucun intérêt à te choper avec DJ sur Zangief. Bien, parfait, bien. C'est bien. Il est impeccable, Yakitori. Ça devrait bien se passer pour lui. Dragon, la super, et ça tue. Ça fait tellement mal ce truc. Déjà les 3 du dragon, puis une petite super après, et Yakitori du coup qui tout Suzuki, et là Bunchin, on reprend encore. Il y avait pas mal de failons, ouais, beaucoup de failons. Je crois que c'est le 5ème ou le 6ème qu'on voit. Il y avait énormément de failons. Bien joué, putain, voilà, tu vois. Décale un bas gros point et 3 Reka. Chicken Wing, Reka. Devant derrière, non, il cherche pas les embrouilles. Oh, bien joué, combo stun, oui, combo stun. Hey, voilà, ça tue. Bien joué, Yakitori. Très beau comeback. Hein. Ah ouais, bon, confirme, bas petit point. Failong, c'est, mal, hein. c'est pas évident, je vais contre des Feilong avec n'importe quel perso. Hein. Oh, dommage, la punition ratée sur le dragon. C'est d'avoir les confirmes pour revenir très très vite en fait. Hein.
Le Honda de l'Exe, c'est un Exe en fait, vaut mieux. Hey, oh, bien ce dragon. Il aurait pu, il a failli rater sa punition là quand même, hein, Bunshin. Le dragon anti-cross-up, hein. C'est le meilleur dragon anti-cross-up du jeu, hein, Sweet Failon. Hein. Ça touche devant, derrière, c'est vraiment c'est un bon anti-cross-up. Par contre, il n'y a pas d'invincibilité, l'invincibilité avec Failon, vous l'avez vraiment que sur les quelques frames du start-up. Je crois qu'il a que 7 frames d'invincible Failon sur le dragon. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est une phase bizarre de, d'agression. Ouais, mais c'est un bon pressing, hein, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, pour l'instant, ça marche, c'est le comeback. Vois, ah, super! Et ça tue! Bien joué, le comeback de Bunshin. Ouais, il me fait ça, je peux rien faire. Failon. Ah, normalement, ah oui. Ah, bah, le pressing de Chikanun dans le coin, face à Dalsim, il n'y a rien à faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ah, là, ça doit être Palestine. Et en plus, tu peux même pas faire une TP. Ouais. Parce que le mec, après, il te met Rekka. Ah oui! Ah oui, c'est sûr. S'il t'a mis dans le corner en te pressant, c'est que t'as perdu quasiment une demi-barre de vie. Mais 3 Rekka, t'es foutu. Ah, c'est vrai, X-Gamers, hein. Yakitori, c'est un joueur très solide. Très très solide et vraiment impressionnant, quel que soit le perso qu'il prenne de toute façon. Et, là, et je l'ai déjà battu en tournoi, j'ai déjà battu Yakitori en tournoi. Je me fais mousser, allez, c'est des streams, on se fait mousser un Yakitori. Peu. Yakitori, Yakitori, Bunshin, Palestina. Palestinien, bah, c'est un mec qui joue à la Jammer, salle. Hey, il est déjà mort. C'est la première Chun-Li du tournoi. Sumura. Et il est déjà mort. Je crois que c'est des seuls Chun-Li. Peut-être, je sais pas, on va descendre la liste un peu. T'as joué beaucoup à la salle Hey? Ouais, tous les fois. Ouais. Parce que Palestinien, il a la salle Hey un jour sur deux au moins. Chun-Li rouge, c'est ça? Ouais, une Chun-Li rouge, ouais. Ouais, je c'est un jeune, hein, il doit avoir 25 ans maximum. Hein. Ah, mais il était peut-être pas cette semaine alors. Moi j'étais tous les jours. C'est un vrai jeune lui. Hein. Ah, hey, c'était le truc du 7 jours. Tous les jours. Tu dormais pas loin en plus, hein. C'est ça. Ah, ça coûte ça. Ah ouais, à Kavara, il y a. Tu peux rentrer à pied même si jamais tu rates le dernier métro. Ouais, ouais, à pied. Bah, t'as fait une demi-heure de marche. On fait pire des fois quand on rentre nous à pied de Game Spirit. Une grosse demi-heure. La Kiabara c'était 40 minutes. Hein. Ouais. Ah, Asakusa, ouais, parce que t'as déjà. Quand tu vas de Ueno à Asakusa, t'as déjà 25 minutes. J'étais à 10 minutes d'Asakusa hein, déjà. En fait, il y a une ligne, il y a la Tsukuba, l'express. Ouais, ouais, ouais. Et bah, c'est deux stations de métro pour y aller. Avec la Kiabara à Asakusa. Et après, faut aller que je marche encore 10 minutes pour. Ah, mais c'est vrai que quand t'as pas le JR Pass, en fait, tu t'en bats les couilles parce que de toute façon, tu dois payer ton transport, donc autant prendre le métro qui est moins cher. Ouais. Ouais, le métro c'est mieux. Hein. Tu fais la carte à la Suka. X-Gamers, si tu peux m'envoyer par MP la vidéo, je veux bien pour. Parce que je crois que. En fait, je voulais me faire l'autre coup une espèce de playlist de favoris de mes matchs au Japon et retrouver des matchs, bah, je retrouve pas tous mes matchs. Mais je veux bien, si tu peux m'envoyer ça par MP sur Facebook, je veux bien. Oh là là là. Très bien, je vais décalage 3-6. Type trop. Ah, le dragon, là ça va tuer. La super. Bien, très propre victoire encore de Bunshin. Ouais. Fait le beat by là, Bunshin beat by 3 du coup. 3, ouais. Là c'est bien, là, ce super Failong là qui est. Hustler. Encore un claw ouais. Vert. Hustler, c'est le mec qui nous a offert les. Ça là, ton Dalsim, c'est Hustler qui nous les a fabriqués. Hein. Ah, c'est lui. Ouais, c'est lui qui nous a. Il joue claw. Montre à la caméra. Montre non, à la caméra. Mais vas-y, montre à la caméra. Oh, mais t'es un branlot de toute façon. Voilà. Ouais, Hustler, il nous avait offert les petits machins comme ça quand on avait été l'an dernier au Japon. C'est des persos de 2X en fait sur toutes les couleurs et ouais. Ils sont fabriqués à partir des sprites de Megaman. C'est ça, c'est du Megaman remix quoi. Voilà. Et en fait, ce mec, bah, il a une cape. Ouais, c'est un mec, il a une cape, c'est un malade. Il a une cape, il a une Il va doser, il met sa cape, le mec, il est fou. Et il dose pas beaucoup, hein, franchement. Il a fait deux. C'est un petit joueur entre guillemets. C'est pas un gros doseur quoi. C'est sympa tu vois, et bah quand il y a Jago ouais, et la. Super sympa. Quand il y a Jago et qui est venu, et bah il a refilé des encore un petit perso ah, aussi. Ouais, ouais. Il avait fait des persos. Et quand il y avait les Ricains la semaine d'avant, et bah il a fait des persos aussi pour tous les Ricains. Putain c'est stylé. Oh non mais c'est un mec super sympa. Hein. Oui, il est pas très fort. Et c'est une petite griffe Tokyo Heat, il est dangereux, faut faire attention. Et bien, bonne victoire encore de Bunshin parce que c'est aussi un match-up à la con. Ça, c'est un match-up. Non, mais c'est horrible. Hein, c'est un match-up pour Claw. Hein. Franchement, son dragon il sert à rien contre Claw. Hein. Merci X-Gamers, merci. Super. Il est complètement minable hein, le dragon de Failong contre Claw. Ah, oui. Tu casses pas de flying, tu fais rien. Tu vois c'est ça, c'est Choshu ça, non? Non, c'est Choshu. Ouais, Choshu. Choshu.
Donc c'est un vieux, hein. Joshu, c'est un daron, il doit avoir 45, minimum 45 ans le mec. Hein. Ils ont tous 45 ans. Il y en a beaucoup qui ont plus de 45 ans. Hein. Ils ont tous 45 ans. Il y en a même un ou deux qui doivent dépasser les 50. Ah bah, Kazé, il est peut-être dans les 60. Hein. Non. Ah, Kazé, peut-être. Non. Mais il a les 40 et quelques bien tassés, ouais. Il fait hyper mieux, franchement. Oh, le stun, bien joué, combo stun et combo mort là. Ouais, son gros pied, gros point dragon. Ah, c'est bien ça. Ah, ça s'appelle café. Hein. Ouverture, stun, combo mort. Chou. Attends, non, c'est T d'Alcim. Chou contre T. Je sais pas si c'est T. Bah, c'est un bon Dalsim, hein. Il se défend vachement bien celui-là. Et il joue ma couleur. Et il joue ta couleur en plus. Il te rend hommage. Mais attends, T. Ah, dommage, il y avait un américain aussi, Bah, c'était XSPR, non? Non, un autre. Un autre américain. Il avait fait les teams la semaine d'avant. Ah, bah, je regarderai, mais dans la liste des noms, je suis incapable de. Je sais pas du tout qui joue. Je crois qu'il joue. Il joue pas un perso d'américain, tu vois. Il joue pas Gaël, ni Ryu, ni Ken. Non, le perso d'américain, c'est Boxer. Et, ouais, Boxer aussi, ouais. Boxer et Old Sagat. C'est vrai qu'Old Sagat, c'est un perso d'américain. Oh, j'ai croisé un américain aussi qui jouait d'Assim là. Hey. Comment il s'appelle? Je sais pas. Un groupe de deux. Nonorku? Nonorku? Non, Free Play Arcade. Ah. Pour le moment, en tout cas, il est en train de nous zoner très bien, c'est le arrière moyen point. Ah bah, il est obligé. De toute façon, Ken, franchement, si tu commences à te prendre les loops de shop. C'est interminable, hein. À moins qu'il rate le timing et que t'arrives à sauter juste au bon moment. Mais en fait, des fois, ces enculés, bah, vu qu'ils savent que toi, la seule façon de t'en tirer, c'est de sauter s'il loupe son c'est timing ça, de chop, et bah du coup, lui, il fait décalage chop et il chope pas, il fait dragon, en fait. D'accord, il dit que c'est Chris Delp, l'américain, X-Gamers. Tu parles du Dalsim, l'américain, ou... Ah, d'accord, c'est ceux qui étaient là la semaine d'avant, d'accord, Chris Delp, d'accord, ok. Je vois. Mais c'est pas lui, c'est pas de lui que je parle. Je vois qui c'est lui. C'est un jeune et tout qui était là pour les veaux. Mais il y a un américain qui habite à Tokyo. C'est pas un joueur de Holken? Bah, peut-être, je sais pas. Un type asiatique Non, pas du tout. C'est vraiment un grand américain avec une coiffure à la con et des mèches blanches. Il y a Mr. Bob, c'est un américain aussi qui joue un Holken hyper dangereux. Moi je pense qu'il est plus fort que Damdai, ce mec-là. Et il est super sympa et il nous invite souvent, à chaque fois il nous invite à manger avec lui. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Et ben là par contre, le Ken noir, c'est Chou. T'as sûrement parlé avec lui d'ailleurs, hein, Chou. Non? Non, Chou, il parle anglais, c'est un mec super sympa. Super sympa. Je sais pas. Moi j'aimerais bien qu'il vienne au XSB. Aujourd'hui, ce jour-là, franchement, j'ai dosé. J'ai fait. Oh, bien joué, combo stun! Et la super. Oh! Stand MP super! Oh, ça envoie ça! Ah, ouais, franchement. Ken, c'est tellement. En fait, c'est combo. C'est joli, en fait. C'est joli à regarder. Il t'ouvre, il te met des coups, des medium punch, des gros points. Tu sais, c'est vraiment. Tu sens l'impact. Et après, il rien à foutre. Il met dragon super. Tu vas mourir, enculé. C'est ça. Et Ken, franchement, Ken, c'est bien. C'est un perso de la fantasy. Tu peux faire des trucs. Ouais, voilà, tu vois ce petit combo sympathique là, en 3 hits. Et ça tue. Il est au top. C'est le perso de la fantasy, Ken. Ah, c'est un perso ultra fantasy. C'est pas comme Old Guy, ah, ouais. C'est le perso du dépressif qui te fait chier. Bah, gros point. Enfin, Tatsu. Tatsu, pardon, flash kick. Et là, c'est quoi? C'est Nemo, non? Nemo Blanca, ouais. Face à Chou. Du coup, c'est le même Nemo. C'est probablement un des meilleurs. Non, c'est pas le Nemo qu'on connaît de Street Fighter eSport. C'est un joueur de Fightcade à la base, Nemo. Et c'est probablement, dans la nouvelle génération, c'est probablement un des trois joueurs les plus forts du Japon. De Blanca ? Dans la nouvelle génération, tu vois, moins de 30 ans, quoi. Ouais, mais. Et actuellement, c'est un des jeunes joueurs les plus forts du Japon. De sa génération. Ah ouais. De toute la génération, ouais. De tous les joueurs confondus. Mmh. Ouais. Dans les jeunes, c'est vraiment un des plus forts. Ouais, mais c'est un perso de sale race, donc, tu vois. Bah, c'est un personnage, c'est comme Banshee-Bot, hein. Banshee-Bot pour jouer ce truc. Banshee-Bot, c'est un jeune chez nous, hein. Il a 22 ou 23 ans, Banshee-Bot. Ah, et il casse un max de bouche en Europe. Au XSB, j'ai pas trop regardé. Il est capable de tuer tout le monde. J'ai pas trop regardé les résultats de Banshee-Bot au XSB, mais. Il peut tuer tout le monde.
Après, ce qui va lui manquer, c'est de la... l'expérience. Ouais. Expérience en tournoi. En tournoi, sûr. Bah, le XSB, c'était le premier tournoi de Bansubot. Hein. Non, il a fait Stunfest Jamais. Jamais, jamais. C'était le premier vrai tournoi international. Il est jamais allé au Stunfest? Jamais le Stunfest, jamais le X-Mania. Ah non, c'était Ludo Victor. Ouais. C'était Ludo. Aobi. Alors, Aobi, c'est un mec que t'as dû voir à Hey. C'est un mec qui a une petite sacoche tout le temps au niveau des fesses, une petite sacoche comme ça là. Mais ils ont tous une sacoche. Oui, c'est vrai, il a des lunettes, ils ont tous des lunettes aussi, tu vas me dire. J'allais te dire, il est brun. Il est brun, il a les cheveux bruns. Il a les cheveux mi-longs un peu, non? Ouais, il a les cheveux un peu là, comme ça. Ouais, il est un petit peu efféminé. Ah non, il t'as pas trop vu à la salle. Il part jamais. Hein. C'est un mec, oh, il doit avoir 28, 30 non, ans. Non, bah, c'est pas lui alors. Parce qu'il y avait un mec, Obja, qui m'a dit que c'était une sale race, ce type. Et genre en mode il était content dès que des gaijins, il tuait des gaijins, tu vois. Ah ouais. Et ouais, non, mec sympa quoi. Apparemment le type il est mauvais, tu vois. Bah ce mec là Aobi, c'est un mec en fait, j'ai pas particulièrement d'amitié pour ce mec là. Il joue tous les persos du cast. Ah ouais. Et il joue toujours le match-up. D'accord. Ah c'est un américain. Pardon. Genre il va jouer boxeur, mais par contre bah s'il va sentir que s'il a que 7-3 avec son matchup boxeur, et bah, il va prendre le perso qui a 8-2. D'accord. Oh putain, il a chopé un startup de dragon là, OB. Oh là là. Mais c'est moi qui joue Ken là, non? C'est super complètement piffé. Allez, là, normalement, ça va être tranquille pour OB, voilà. Un partout, entre Chou et OB. Alors, je suis pour Chou, hein, parce que Chou c'est un pote quoi, super sympa ce mec là. Chou, bah ouais, il est Chou. Chou est Chou, ouais, c'est vrai que Chou est assez Chou, ouais. MP, le dragon qui est bien passé, double leg kick, avec le Tatsu. C'est Clo qui met la chope. Bien joué, BMK, BMP, c'est du vrai Clo. Hein. Ça creuse un le stun, peu, attention, allez, il y avait danger avec le stun. Feu. Deuxième boule de feu encore qui se prend. Aïe aïe aïe, oh là là. Son gros point à deux hits combo, c'est là mal, ça fait mal. La Rolls qui grimpe. Oh, il est sauvé par un dragon. Et le dragon qui est par Iversol, hein, franchement, je pense qu'il va peut-être deux frames plus tard. Il a de la chatte, il a de la chatte, Chou s'en sort bien. Gucci. Gucci Ryu. Donc tu pareil, sais que moi j'ai perdu plusieurs matchs à cause de ces conneries d'Iversol. Hein, parce que je sortais de la super trop. Trop bah, c'est 2x quoi. Il y a, non mais je te jure, il y a eu des fois où je punissais des. Tu faisais des reversals super et du coup ça te sortait de la merde. Je punissais des coups à la super. Et bah, au lieu de me sortir une super, ça me sortait un Yoga Fire ou un Yoga Blast. Bah ouais. Et bah, c'est sale en fait. T'as un perso de merde hein, qui se. Mais par contre, du coup, en fait, dans un. Mais vraiment, c'est quand tu pousses le jeu à haut niveau, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de faire des. En fait, tu fais ton coup, genre tu vois, tu vas faire un Yoga Blast, et le mec il va te sauter dessus, et pour en tirer, bah, tu vas faire Reversal Super. D'accord. Comme ça, tu vas sortir un Yoga Blast, mais en Reversal. Et du coup, il va sortir plus vite qu'à classique. Ah, c'est intéressant. Mais voilà, c'est à haut niveau. Hein. Ouais. Déjà, entier Light Punch, va falloir que je m'entraîne. C'est mon défi pour cette année. C'est une des meilleures armes de Dalsu. Ouais, mais c'est compliqué. C'est une des meilleures armes de Dalsu. Il faut la maîtriser. C'est compliqué. Il va vite et il n'est pas actif longtemps. Et c'est sûr que le jour où tu sais entier, où tu entier sereinement, tu vois, sans serrer les fesses, le Doskoi de Honda. Avec un high punch, ouais, là, bah, là, t'es bon. Là, c'est... Alors là, donc, c'est Gucci. Donc, effectivement, hein, Gucci, c'est un très très bon joueur. On le voit toutes les semaines au GameSpot Versus. Hein. Lui, c'est son mardi de la dose, il y va toutes les semaines. Bah oui, hein. Bon, de toute façon, il y a la plupart hein, qui font toutes les semaines. Hein. C'est un des premiers joueurs contre qui j'ai joué au Japon il y a quelques années et il m'avait défoncé. Hein, il m'avait défoncé. D'ailleurs, tu m'as pas dit que t'avais pas gagné un seul match. C'est, bah... c'est la première fois que j'avais été au Japon. J'ai fait donc 3 semaines au Japon et en 3 semaines j'ai pas gagné un seul match de 2x au Japon. Et pas que dans des salles de dose, hein, même dans des petites salles de, entre guillemets, des salles de merde. J'ai pris des rounds, mais je n'ai battu aucun joueur au Japon en 3 semaines la première fois. Et ça fait combien de temps que tu joues à 2x? Ça fait faire 3 ans que je joue à 2x. Et j'ai pas gagné un seul match. Après c'était en 2012, hein, on est en 2012. Hein, bon. Et alors? En 2012 il y avait moins de niveau en France à 2x. Hein. Même. Moi, le X-Mania Europe en France était vachement moins intéressant. Moi, en 2 ans de 2X, j'ai tué des gens en Japon. Oui, mais on fait partie d'une. On est dans une époque aujourd'hui où les joueurs jouent vachement mieux quand même à 2X qu'il y a quelques années. Ah bah, je sais pas. Il y a énormément de tournois de 2X en France où il y a quand même des mecs qui se défendent bien. Quoi. Moi, je me suis cherché, tu vois, avant de venir. Est-ce que t'as joué Salras directement ou... Ah, je jouais Salras, hein, je jouais Vega. Ou t'as joué un vrai perso avant? Non, je jouais Vega. T'as toujours joué Vega. Pourquoi? Parce que c'était pété. Parce que moi, je joue Vega à tous les Street Fighter. À Street 4, je joue Vega, même s'il est lotière, je joue Vega.
Tomozza. Oh, Tomozza dictateur. Ouais, bah qui vient de se prendre une super dans les médiums, ouais. Dans les gros pieds. Dans les bulls. Les boules de feu encore en gratte là. Cacao, bien, BMP entière, c'était sûrement un dragon. Non, non, il est pas entière. Bon, c'était un dragon. Anti-cross-up, BMP, moi j'appelle ça un dragon raté. Il a pas gardé ou il a tenté un. Oh, ça c'est du match par contre, BMP anti-skull dive là. Ah là là. Ah, salut Romain. Oh, salut Romain, c'est plaisir, bienvenue. Tu viens voir des. On n'est pas e-sport ici. Salut Harmonia. Ouais, c'est presque e-sport là, c'est du 2X au Japon. À quand une borne arcade à la source, la source, il faut acheter une borne d'arcade, les mecs. Hein. Ah ouais, ouais. Et pas une borne arcade. Arcade. Ouais, arcade, pas une borne arcade, s'il vous plaît. Avec des vrais jeux. Enfin, après, une borne arcade pour un setup Street Fighter V, ça s'entend. Hein. Oui, ah ouais, c'est très propre. C'est vachement bien. Franchement, c'est joli. Mais un petit écran cathodique pour un 2X, c'est ouais, bien. Ouais, tu vois, 2X, Carnov, la famille à Lyon, tu vois. C'est ça. La dose. Bien, la super, la Tomozza, pour achever. Un partout entre les deux joueurs. Donc Tomozza contre Gucci. Qui... Ouais, c'est pas fini encore. Hein. Oh là là, le gros dragon, ça fait mal. Bah, oh, pas de stun. Il est où le stun là-dessus? Ah, ça y est, le stun il vient après sur un cross-up pas gardé par Tomozza. C'est chaud quand même. Hein. Il prend un perfect. Son cross-up, BMK, gros dragon. Ouais, bon, ça se confirme à peu près sur les bons joueurs, ils confirment ça pas trop. Ah ouais, non mais franchement, 2X c'est le jeu de l'Amérique. Chal, boxeur, un très bon boxeur aussi. Un Chal. Niquez-vous, Street 4, hein. C'est 2X ça en vrai. Hein. Bah, c'est, ouais. Tu sais confirmer, c'est tellement gratifiant de faire des 3 hit combos. T'imagines? Mais tu dis ça Romain, mais il y a des mecs qui dosent sur Fightcade. Donc Fightcade, tu sais, c'est un logiciel d'émulation en ligne pour jouer à Street Fighter 2 typiquement en ligne en versus. Et en fait, il y a des mecs, ils jouent sur des écrans cathodiques pour moins laguer, pour pas avoir d'input lag, pour jouer sur un émulateur, pour jouer en ligne, enfin. Bah, ils jouent sur les... Et quand je dis ça, je parle du joueur anglais de Guile, comment il s'appelle, Golcardiac, c'est un mec, il dose Fightcade sur un écran cathodique. Ah, sur les écrans de Windows 98, quoi. Ah, et voilà, le mec, en gros, il a une espèce de Windows XP, et il a un Windows XP qui fait tourner sur cathodique. Bon, Fightcade, ça demande pas grand-chose, hein. Juste une connexion propre, hein, et c'est tout. Hein. Après, je pense que tu peux avoir un PC de merde, ça tourne. Hein. C'est un émulateur, hein. Ouais. C'est ça. Ça se regarde, putain, l'attention. Il n'y a plus la super. Oh putain, ce saut c'était osé. Encore il saute. Oh. Ah, mais il perd là-dessus, Chal. Là, c'est dommage. Il y a 23. Ah, il a 22. Craqué, Chal. Alors, c'est Est versus Ouest. Hein. Ouais, c'est East versus Ouest. Moi j'étais dans la team East. Et vous avez gagné. Non, on spoil pas trop la fin du match. Allez, Tsunopi, un mec super sympa. Tsunopi. Si je me trompe pas, Tsunopi, c'est un mec qui commente régulièrement du Street Fighter 2 au Japon. Et même du Street 3, je crois. Si je dis pas de conneries. Non, mais de toute façon, ils sont tous super sympas en fait. Ah oui, ils adorent les étrangers, ils adorent venir tchatcher. Dès que t'es étranger, c'est la fête. Ah bah ce soir, monsieur Romain, c'est. En fait, on est en train de rediffuser, il y a W, ici présent, qui était au Japon pour l'Evo Japan. Et en étant à l'Evo Japan, il a profité pour aller doser dans une salle qui s'appelle le GameSpot Versus. Ouais. Et qui fait tous les mardis un team battle. Et donc là, c'est un 25 joueurs contre 25 autres joueurs qui s'affrontent les uns après les autres comme ça jusqu'à éliminer toute la team en face. Quoi. Et donc notre cher W, il a fait un beat by 2 très honorable, très. Ouais. Ça se mérite. Hein. Ton beat by 2, tu vas le chercher. Hein, ouais, c'est le meilleur niveau de la planète. Hein, ouais. Donc, Si je dis des conneries, moi il faut me corriger, les gars. Je suis faillible, je ne suis qu'un être humain normal. Je pense que si tu dis des conneries, François, c'est que t'as pas assez bu. C'est que j'ai pas assez bu, ouais. C'est, je dis encore trop de conneries. Il reste une bouteille. Corrige-moi, X-Gamer, je t'en prie avec plaisir. Allez, qui joue là? Guile. Bah, c'est toujours Tsunopi hein, contre Gucci. Ah, ok. Attends. Ah, tu veux dire Tsunopi, c'est pas un commentateur de match? Je me trompe peut-être. Hein. Peut-être que je confonds avec Tonepi. Parce qu'il y a aussi un mec qui s'appelle Tonepi. Et peut-être que je confonds. C'est peut-être Tonepi qui fait les commentaires de match. Ah, mais là, il y avait tellement de Français à soutenir à l'Evo Japan. C'était n'importe quoi. Matsun! Matsun Ken! Matsun, ouais. Ah, je suis un souceur de Matsun. Hein. Je suis désolé, excusez-moi. Ouais, non, Matsun. Trop fort, Matsun. Franchement,
Mais Ken, ah, ton épi, Ken, c'est vraiment le perso. Moi j'aime bien voir Ken, tu vois. Il fait des combos, c'est style, tu vois, voilà, Bamka super, ouais. Nick Saras. Ouais, mais Matou, c'est joli, ça fait des hits. Et c'est hyper dur à faire, hein. Ça demande vraiment une exécution parfaite avec, avec New Ken, parce que si tu fais une mauvaise exé, en fait tu vas sortir un BMK cancel funky kick, en fait, tu sais, l'espèce de coup de pied retourné qu'il fait là. Là, c'est un dragon pied en fait, donc si tu fais de la merde. Même BMK boule de feu, des fois ça rate, tu vois. Ouais, même BMK, ouais. Soit MK, bah MK boule de feu, tu vois, des fois ça rate. Non mais Ken, c'est vraiment, c'est plaisant à jouer dans ce, c'est vraiment excellent. Ah, il a essayé de décaler une shop, marathon shop là, Matsun, il s'est un peu emporté avec son personnage funky. Merci à Xemer de me corriger, c'est exactement ça, c'est Tonepi qui fait les commentaires souvent, notamment bah, de tous les événements à Tokyo. C'est Tonepi qui commente à chaque fois, alors là c'est pas Tonepi, hein. Mais dès qu'il y a bah, le fort, comment ça s'appelle le tournoi, le Fox, le Xer, le Xust, tout ça. C'est toujours Tonepi qui commente avec bah, des fois Matsun, des fois... Tu sais que j'ai déjà vu commenter le... Comment il s'appelle le mec qui gère la salle justement GameSpot Versus, j'ai bouffé son nom, Nikaiten. Oh mais la chatte qu'il a, Matsun, il passe à travers Le dragon dans la super et petite balayette. Oh la chatte, terminée. La chatte à sa maman. Matsun hein, qui prend un match quand même, et là du coup il va jouer contre... Alors Gucci qui a fait beat by 1, 2, 3, 4 quand même. Contre Suzuka Dalsim. Ouais, Suzuka c'est un très bon Dalsim. Oh gros Dalsim. Ah, ouais. Et du coup voilà, Kawasim qui était là ce jour-là mais il n'a pas joué. En fait, je crois qu'il il est arrivé après les inscriptions. Il est à la bourre. Ouais, il arrive en scooter et tout, tranquille. Ouais, KKY aussi souvent il commente les matchs, hein, surtout dans la province du coup d'Osaka. Province du Kansai. Ah, KKY je connais. Ah, KKY c'est... Il joue à des nouveaux jeux, KKY, non? Moi je crois pas trop qu'il joue à des jeux... Mais KKY, lui, c'est un des autres meilleurs Dalsim du monde, hein. Un des trois meilleurs Dalsim. Hein. En gros, bah, il y a Suzuka, Tu vois là, le petit sourire Tatsu. Pour choper, ouais, t'as team qui chope la bille. Oh la voilà, super, parfait. Moi j'ai fait pareil, sauf que tout à l'heure ça a touché 4 hits, t'as vu? Bah, DBZ c'est la vie, hein, Romain. Ah non, moi je suis pas de ce bord là, Romain. Ah, mais DBZ, je crois que j'ai déjà 60 heures de jeu là, j'ai craqué mon jeu. J'ai pas joué encore, j'ai pas fait un seul crédit sur. Sur le jeu, t'as pas fait de crédit sur ton PC? Non, j'ai pas mis un seul crédit dans. J'ai plus d'argent en fait. Depuis le Japon, il faut savoir que je n'ai plus d'argent. Voilà, donc 10 jours au Japon m'ont coûté. Il gagne pas d'argent. Une semaine au Japon m'a coûté aussi cher que 2 semaines au Japon l'année dernière. Et non, j'ai plus un seul tue. Ah, Matsun qui perd contre Suzuka, bien joué Suzuka. Mais ouais, des BZ, ça a l'air stylé. Hein. C'est sûr. Moi, j'ai, alors, t'es convaincu, moi, hein. Moi j'ai désinstallé Street Fighter 5. Moi j'ai désinstallé Street Fighter 5. Street Fighter 5, ça faisait 2 ans et demi qu'il était installé sur mon PC. Ram, viré direct. Ah mais t'as pas pris les nouveaux persos. Non mais Street 5, j'ai tout pris. C'est génial. Street 5 c'est amusant mais ça va pas plus loin en fait. Alors que... Non, il est profond. Alors que Dragon Ball c'est amusant, c'est profond à mort. Non mais... Et c'est un jeu, c'est la folie le jeu, il te brûle le cerveau ce jeu. Faut que je l'achète. Hein. Enfin je te jure. Il faut... Mais non mais moi je vais mettre à... Faut que je commente, donc faut que j'achète. Mais ça va être dur. Hein. Ah tu veux commenter le jeu un peu, hein? Bah ouais, ah bon, bah... Travaille tu vois. Yalla, vas-y, achète. De toute façon, il défonce le jeu. Oh, c'était bien là, ce qu'il a tenté de faire, Koemon. Il a tenté de punir le whiff punish. Enfin, il a tenté de faire un whiff punish sur un saut gros point de Dalsim. Dommage pour lui, le dragon est pas parti assez haut, assez vite. Tu vois le MP là? Il a cassé quoi? Il a cassé un. Une Rekka, non? Avec Dalsim. Ah, j'ai l'impression, ouais. J'ai pas rêvé, hein. Franchement. C'est pas un. En fait, sur le papier. C'est facile, mais c'est pas un match-up évident. Non, c'est dur. Honnêtement. Dalsim, il faut une mise au sol pour Koemon. Une fois que Koemon il a la mise au sol, c'est bon. Mais là, il a du mal et il se fait très très bien punir. Oh, c'est quoi ça? C'était saut gros point? Ouais. Oh, mais faut que je te fasse ça, moi. Il faut que je te fasse non, ça, mais moi. Il y a un timing, Ah oui, non, mais là. C'est pas un coup qui est actif tout le long. Parce que oui, c'est ça, c'est pas un seul MP. C'est pas un seul MP. Mais tu vois, en fait, le souci, c'est que. Dalsim, il va falloir qu'il zone à la perfection. Ouais, non, X-Gamers, franchement, ça défonce un Dragon Ball. Achète une PS4 pour ce jeu si t'as le temps. Un PC? Ou un PC, si t'as un PC, tu sais, tu peux même downgrader le jeu. Ouais, non, parce que. Il reste joué sur Dragon Ball Fighter. Je veux pas dire, mais ça, c'est le genre de jeu qui doit être dispo sur Instant Gaming à 30€ au lieu de 70. Je sais pas si on aura de faire de la pub pour des jeux, pour des sites comme ça de clés sur Twitch, hein, mais. Ah, si, hein, il y a des partenariats. Ouais, il y a des partenariats. Il a sorti. Suzuka, il vient de sortir Matsun
Et Koemon quand même, c'est balèze. Hein. Deux gros, quoi. Ouais. Ah bah Koemon meilleur. Et là Suzuka qui va jouer contre Tencho. Ouais, Tencho Ryu. En fait Suzuka il est pas dans ma team, hein, donc l'encouragez pas. Ouais. Cet enculé. Tencho Ryu. Tencho il est fort aussi. Ah ouais, il joue la couleur bleue. Hein. Ah bah ouais, tu peux le crack. Hein. Tu crois que tu peux craquer le jeu et jouer en ligne? Ah ouais. Ah, online, je sais pas. Non, mais tu es un mec ambitieux, Xgamer. Mais c'est vrai que craquer le jeu pour pouvoir training, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Tu vois, parce que là, en ce moment, pognon. À moins que je trouve le jeu à 20 balles. C'est pas vraiment la fin du mois, là. Offrez-moi le jeu et j'y jouerai. Avec plaisir. Ah, petit 3-8, là. Tencho, là, qui a défoncé Suzuka sur ce round, là. Ah, ça fait mal, hein. Tu loupes un entier, voilà, tu vois, direct, Tatsu, shop, multi-hit. Ça a déjà perdu un tiers de barre de vie avec le petit gros point encore qui est rentré. Allez, Yoga Flame, là, un petit peu trop tard, là, pour taper la boule de go. De feu, putain, je dis n'importe quoi. Ah, tu dis la merde, c'est pas grave. Allez, petite drill like. Ah, il maintient bien le point. Dommage, il se rabat sur Tatsu. Bah, MK, boule like. Oh, il lui a fait Mitty, BMK, boule. Oh là là, ça fait mal. Ah, il l'a déchiré. Là. T'as vu ça? Tencho, il l'a déchiré. Oh là là. Et là, Abebin, ça et là, je suis deg parce que Abebin, je savais même pas qu'il était là. Merde. Et t'as pas fait gaffe qu'il était là? Bah non, je l'ai pas vu. Ah, il est super sympa, Abebin. C'est un mec en or. Il est génial. Mais c'est parce que cette année, il avait pas ses shorts. Bah, c'était l'hiver. Il était pas habillé en rose, quoi. C'était en hiver. Non, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était en short, sans baguette, chaussettes. Mais genre des grosses chaussettes de ski qui montent jusqu'au genou, rouges et blanches rayées. Ah, c'est un mec, les couleurs de fringues, il n'a pas de race, il s'en bat les couilles. Hein. Non, mais il est génial ce type, il est trop drôle. Et voilà, c'est encore un type qui. Mec qui vient, il te fait ah, salut, bienvenue en À chaque fois qu'il va se prendre un coup, il va gueuler comme un connard. Oh putain. Ah, il est trop fort, Abebin, j'adore. Et ça, ouais, j'adore. Ça serait stylé, Abebin ou XSB aussi. Il y a tellement de joueurs dans la liste. Non, mais tu as Abebin, Gunze. Et Kawasim. Ah, et là, ouais. T'entends plus rien dans la salle. Dès qu'ils se prennent des coups. Ah, tu vois, le quasi perfect là, quand même, parce que là, on. Oh voilà. Victoire, bah victoire de la team de W. Bien joué, W. Ouais, j'ai gagné, mais la France, hein, représente ouais. Lyon, la dose, la source, Game Spirit, tout ça. Ouais. Bien joué de W. On va arrêter là parce qu'on est déjà une heure de vidéo. Non, mais voilà, tu vas mettre le full screen. Ah, je remets le full screen. Yeah. Donc voilà, on est là, c'est bon, tout marche, on est là. Ok. Le GameStop versus, voilà, c'était excellent. Le Japon, c'était bien. Ah bah. Voilà, vivement le prochain voyage du Japon, quoi. Petite récap, hein, du coup, pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream. La nuit du Versus, le 10 Versus, on a annoncé Zaghi. Zaghi à la nuit du Alors, Versus. Voilà, il y aura Zaghi. Zaghi, c'est un des meilleurs joueurs 2X de France, d'Europe même. C'est la meilleure Chun-Li hors Japon. Et donc, il sera là pour péter la gueule sur 2X. Ensuite, je vous refais la petite pub. Il y aura une superbe figurine de Jotaro Kujo à gagner. Jotaro Kujo de Jojo Bizarre Adventure. Tous les participants de la nuit du Versus pourront la gagner en fait. Bah, ils auront la possibilité. Il y aura un tirage au sort, voilà. Donc si vous venez, et ben, vous pourrez peut-être gagner une figurine gagnée dans un UFO Catcher par moi-même. Voilà, donc Romain, il faut que tu viennes. D'ailleurs, parce qu'il y aura Tekken 7 hein, et il y a Super Akuma qui va venir. On devrait faire des trucs de. Entre guillemets, pas de putaclic, tu sais, mais. Non, mais je l'ai déjà fait. Ah, oui, d'accord, ok. Moi, je l'ai déjà fait. Retweet, share, like. Non, mais t'inquiète, et abonne-toi à la DOS TV. Quand j'ai réussi à obtenir ma clé pour la bêta de Dragon Ball FighterZ en septembre. Ah, t'avais fait un truc comme ça? Je l'ai fait gagner avec des RT et des follow. Hein. Il n'y a pas de race. Hein. Et là, j'ai des codes pour des skins Red Bull. D'accord. Ah, oui, mais t'as les canettes. Non, mais non, il faut les ouvrir, les canettes, pour un code. Voilà. Il faut l'ouvrir. Donc. Ouais, oh non. Faut l'ouvrir. La statue, Jotaro Kujo a gagné en tirage au sort, plus le tease du tease quand vous avez fait tout à l'heure le petit trophée. Voilà. Il est beau. Bon, celui-là, c'est celui de 2X. Hein. Il sera à gagner Street Fighter 2X, la nuit du Versus, anniversaire édition, 10 février 2018. Donc, semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Donc je pense. Inscription pas... sur smash.gg. Ouais, sur c'est smash.gg. De toute façon, il y aura toutes les infos. On a fait les annonces. C'est hier, tout sur la dose.net. Hier, on a annoncé Super Akuma. Aujourd'hui, on annonce Rêve sur
Vampire Savior, là on vous tease Zaggy parce qu'on n'a pas annoncé officiellement encore une fois. Ça y est, là c'est fait, là c'est officiel. Voilà. Ouais, il n'y a pas encore eu la photo, tu vois. Et donc voilà, donc je pense qu'on va tous se retrouver le 10 février. Donc venez nombreux, ça va être complètement craqué. Il y aura. Rappelle la night, en gros, qu'est-ce qui se passe la night? Alors, la night. Qu'est-ce que c'est la night? C'est une soirée qui va commencer à 9h30 du coup. Ça va être pour fêter les 5 ans de l'association ladose.net. Et du coup, ben, de 9h30 à 6h30, à 6h du matin, peut-être plus, on va voir. Des fois, jusqu'à ce qu'on se fasse foutre dehors par Game Spirit. Non, mais on va pas se faire foutre dehors, mais des fois qu'il y ait des staffs qui soient pas fatigués et qui aient pas envie de rentrer chez eux, on peut continuer plus tard. On quelques litres de café quand même. Et du coup, voilà, ça va être de la bagarre à l'infini pendant toute la nuit. De 9h30 à 6h du matin, ça va être bagarre. Deux setups de 2X, un setup de vampire. Non. Comment ça marche? Je dis de la merde. Ouh. De la merde. 5 tournois, Street Fighter 5, Tekken 7, Dragon Ball Fighters, Street Fighter 2X et Vampire Savior. Plus du free play à l'infini, du coup, sur les 3 jeux qu'on vous a cités en console. Il y aura peut-être un post Guilty Gear XR2 si jamais on a la place. Et en arcade, normalement, moi j'espère, ce serait 3 setups 2X, 2 setups Vampire. Voir un, deux setups, je pense que ça va être un peu... On peut les faire. Ouais, on peut les faire, les deux setups, mais je pense pas que ce soit vraiment utile. Donc, au moins un setup vampire, ça, ce sera sûr à 100%. Il y aura un setup CVS2 aussi, également. Ah oui, parce qu'on a le Road to Ichigeki. Ouais. On va avoir un tournoi de qualification pour le HFS sur CVS2. Et il y aura également... on va essayer au maximum de mettre un setup 3-3. Voilà. Donc voilà, toutes les news. Soirée le 10 février à la dose à Lyon. À Game Spirit, comme d'habitude. Donc voilà, restez connectés hein, pour toutes les infos. On va vous teaser tout le long de la semaine là, pour annoncer les derniers invités. Donc j'y reste. En gros, il reste quoi? Street Fighter 5 Street Fighter 5, Dragon Ball. On n'en dit pas trop, ok d'accord, on n'en dit pas trop. Ah, bah 2X, 2X, bah 2X on vous l'a teasé, mais ouais. Voilà. En gros, en comptant 2X, il y en reste 4. Voilà, il reste 4 annonces à faire. Donc voilà, restez co pour toutes les infos. N'oubliez pas de vous inscrire parce que les places vont être limitées. Si on va être, c'est quoi, c'est 64 places limitées, c'est oui, quoi oui, 64, 70, il me semble, parce que voilà, pour pas être trop serré non plus dans Game Spirit, c'est pas extensible. Donc voilà, restez co et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde, merci de nous avoir suivis. À plus, santé. N'oubliez pas de vous abonner à la page Lados TV sur Twitch. Hein. Donnez des jetons. Ouais, le jeton donnez gratuit. Votre jeton si vous avez des jetons à donner. Ça nous aide à organiser des événements avec du budget pour l'année. Mais voilà, on espère vous voir tous, Romain, tout le monde, même X-Gamer, si tu veux venir, tu viens, hein, avec grand plaisir. On espère surtout te revoir peut-être au XSB2 à la fin de l'année. Alors, voilà, moi je vais répondre à Romain, du coup, pour toutes ces questions. Alors, le trophée, on l'a fait sur Internet, sur le site, ça s'appelle La Vraie Gravure, je crois, il me semble. La night, c'est une nuit, oui, c'est une nuit, ce sera toute la nuit, en fait, du samedi 10, le samedi 10 février, donc de 21h. De 21h à 6h du matin, le dimanche. Donc, on termine la nuit, en fait, quand les métros reprennent. Voilà. Ça, c'est sympa. L'inscription, c'est 10€ pour les membres de l'association et 15€ pour les non-membres. Et je me tâte de venir doser. Mais viens doser, putain. Voilà, c'est tout. Écoutez, messieurs, bisous. Et puis à très bientôt pour d'autres streams sur la Dose TV. Allez, ciao tout le monde. Merci. Ciao. Ouais.